Voilà, excusez-nous pour ce retard, comme on a débuté assez tard le premier rendez-vous. Donc, on va pouvoir reprendre pour cette seconde rencontre, qui va être elle-même en fait en deux temps. D'abord, Amélie Schaffer et Régine Ventrater s'entretiendront avec deux de nos invités. Alors, comme je ne veux pas dire que les prénoms, je ne vais pas me tromper non plus. On a changé, en fait. Donc, elles s'entretiendront dans un premier temps avec Anine Garouillet et Félicité Liamoukourou. Et puis ensuite, dans un second temps, avec Glorieuse Oumou-Gwaneza et Beata Oumbaï-Mérès. Voilà. Donc, mais ce sera consécutif, en revanche. Ces deux rencontres vont être consécutives. Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander à nos invités de venir s'asseoir. Régine Ventrater, Amélie Schaffer, Félicité et puis Annie. Je crois que c'était ça. Hein. Voilà. On va pouvoir reprendre.
Bonsoir tout le monde. Pour cette deuxième partie, je vais vous présenter Annie Galouillet. Annie habitait à Kigali pendant le génocide. Annie, merci d'être là. Je sais combien c'est très, très difficile parce que c'est quand même une toute première hein, que tu acceptes de témoigner. Et puis, nous te sommes vraiment très, très reconnaissants parce que je pense que tout le monde le sait, ce n'est pas une histoire facile hein, de témoigner devant l'auditoire de son vécu, de son vécu et de son expérience du génocide. Donc, tu étais à Kigali. Et ton mari était en France, Île-de-France. Oui, tout à fait. Voilà. Et tu avais deux enfants avec toi et tu étais enceinte. Je vais te laisser peut-être nous dire ce que tu as envie de partager avec nous de ton histoire. En tout cas, j'aimerais bien que, si tu le souhaites, tu nous parles aussi de ce qui concerne cette journée, qui est une journée où aussi on tente de montrer les gestes d'humanité. Ces gestes qui ont peut-être permis de sauver des vies au moment même où tout le monde avait abandonné les Tutsis. Donc, je te laisse la parole. Je ne vais pas trop insister. Et puis, tu nous diras ce que tu as envie de dire. Et nous sommes là avec toi pour te poser des questions si besoin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Annie. Je suis maman de trois enfants. Je suis rescapée du génocide de 1994. J'étais enceinte d'une petite fille de... quand tout a commencé. C'est pas toujours évident d'en parler, en fait. Donc, quand le 7 avril, l'avion de Habyarimana a explosé. Là, c'était le début de la fin. J'étais à la maison avec mes deux enfants, mon beau-frère et son cousin. Donc, je m'attendais à ce que peut-être un miracle, je ne sais pas. Mais j'ai eu le miracle, je peux vous le dire. Donc, je peux vous parler juste du miracle que j'ai eu. Je vais vous parler du parcours dès le 7 avril jusqu'à quand je suis arrivée ici. Et vous parler aussi de l'humanité, justement, comme elle vient de le dire, d'une dame qui m'a aidée pendant cette période. Donc, comme je le disais au début, j'étais enceinte dès 8 mois. Je suis restée donc, dans... ma maison pendant les deux enfants et mon beau-frère et son cousin. Mon mari était ici en France en tant qu'étudiant à l'école de poste et de télécommunications. Je me rappelle que la dame qui, donc justement, c'était mon bailleur, elle m'a dit, tu es enceinte de 8 mois, si tu arrives à telle, mais si tu n'es pas morte, il faudra juste me dire que je puisse t'aider à accoucher. Je lui dis OK. Dès le 7 avril, donc les miliciens venaient à la maison systématiquement, du matin au soir. Ça pouvait être 3 fois par jour, avec des machettes, des fusils, toutes sortes d'armes que je ne connaissais même pas, les noms que je voyais, les yeux rouges comme une tomate. Et les choses qu'ils me disaient, c'était il faut sortir, vous laissez les enfants et on vous amène. Je ne sais pas d'où venait la force, mais je leur disais, je ne partirai pas sans mes enfants, je partirai avec eux. Si vous devez m'amener, vous m'amenez. Ils partaient, je ne sais pas pourquoi ils partaient, un autre groupe revenait dans la journée, c'était la même chose. Au début, c'est les domestiques, je n'aime pas trop utiliser ces termes parce que, voilà, les garçons qui nous aidaient à la maison ont fait des travaux domestique à la maison, donc c'est lui qui allait ouvrir les portails pour les miliciens qui rentraient systématiquement. Et quand ils en avaient marre de sonner, donc ils ont pris les clés du portail, donc ils entraient comme ils voulaient, à n'importe quelle heure, à n'importe de la journée,
du matin au soir. Les 2 mai, donc, le travail a commencé. J'ai envoyé les domestiques et je lui ai dit, tu peux aller voir Janvière, donc la maman qui nous aidait. Je lui ai dit, le travail a commencé, je pense que je vais accoucher aujourd'hui. La dame, elle est venue. À cette époque, mon beau-frère et son cousin étaient encore en vie. Donc, il a demandé à mon beau-frère de garder mes 2 garçons, donc, qui sont d'ailleurs ici, Brice et Wilson. Il dit, je ne veux pas qu'ils participent à l'accouchement de leur maman, tu les gardes. Et moi, j'amène ta belle-sœur à la maison. Donc, je suis allée, elle avait préparé une chambre dans sa maison. Et elle avait appelé une dame qu'elle m'a présentée comme une sage-femme, qui était femme des militaires qui a été tuée, apparemment. Et donc, elle m'a dit, c'est cette dame qui va t'aider à accoucher. Je suis restée toute la nuit, vers 1h du matin. Donc, la notion du temps, on ne l'avait pas. C'est elle qui m'a dit que j'ai accouché à 1h20 du matin d'une petite fille qui s'appelle Fleur Shima. Et cette nuit-là, je me rappelle les termes que j'ai utilisés parce que je n'arrivais pas à coucher, j'avais mal. Et j'ai juste prié, et prié très fort en parlant. Et j'ai demandé à Dieu je lui ai dit que toutes les personnes que je connaissais à Kigali sont mortes, que moi j'étais encore en vie avec les enfants. Pourquoi maintenant il veut que je meure en accouchant? Et donc, à 1h du matin, j'ai accouché. Le lendemain matin, la dame qui m'accompagne dans ma maison avec le bébé, je suis tombée malade après l'accouchement. J'avais des grosses hémorragies. Au bout de 2 semaines, je n'arrivais plus du tout à tenir malgré les miliciens qui venaient tous les jours pour me dire, tu vas partir, on va te tuer, tu laisses tes enfants. Je prenais la petite, donc Fleur, elle était systématiquement dans mon dos. Et il y a des choses que les enfants, même quand ils étaient petits, connaissaient les termes « coucher ». C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait des bombardements ou quoi que ce soit, je disais coucher. Et ils allaient en dessous du lit. Parce qu'on restait systématiquement dans la chambre. On ne pouvait pas sortir pour aller à l'extérieur. Donc, je leur disais, ils ne font pas pleurer. Et même les domestiques, quand ils faisaient à manger pendant le premier temps, parce qu'on ne peut pas tout parler, c'est difficile. Et c'est tellement beaucoup de choses à raconter. Je lui disais, il faut préparer à l'intérieur, parce que s'il y a de la fumée qui part, les miliciens vont savoir qu'on est là. Mais ça ne les a pas empêchés, ils savaient déjà qu'on était là. Et je me rappelle, on avait une radio dans la chambre qu'on allumait. Et les journalistes de la radio des miliciens qui disaient... Il précisait bien là où on habitait. Il disait il y a encore des Inyenzi, des cafards, donc, qui sont à Nyamirambo, au Petro Rwanda. Donc, c'est là où on était, juste derrière l'église. Et pour ceux qui connaissent à Kigali, c'était derrière l'église adventiste. Et donc, il disait là, on sait qu'il y a encore des cafards, il faut aller les exterminer. Avant le 15... Non, 2 semaines après l'accouchement, on avait encore les communications. Donc, mon mari savait qu'on était en vie parce que la dame avait un téléphone à la maison. Donc, elle lui donnait des nouvelles quand même pour lui dire qu'on était là. Et après, je pense, si j'ai encore bonne mémoire, c'était vers les 17, où ils ont obligé mon beau-frère et son cousin d'aller sur... la barrière. Ils sont partis la première nuit. Le lendemain, on les oblige à y retourner. Ils ne sont jamais revenus.
Mais ce que je voulais dire, pendant toute cette période, au début, on avait à manger parce que j'avais acheté, parce que d'habitude, les Rwandais, tous les Rwandais, on achète gros, on met à la maison. Mais au final, comme ils avaient coupé de l'eau, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus d'électricité, on ne pouvait même pas préparer ce qu'on avait à l'intérieur. Ce qui veut dire que si on avait à manger, c'était au moins une fois, tous les 3 jours, quand la dame nous amenait à manger. Quand mon beau-frère est décédé, et son cousin, les miliciens venaient systématiquement, 4-5 fois par jour. Il y a, je me rappelle, un qui est venu, qui m'a demandé si j'étais mariée. Je lui ai dit oui. Il m'a demandé qui était mon mari. Je lui ai dit, il n'est pas là. Il m'a dit, il était où? Je lui ai dit qu'il était à l'étranger, il faisait ses études. Il m'a dit, où? Je lui ai dit, en France. Il m'a dit, tu as les photos? Je lui ai dit, oui. Est-ce que tu peux me montrer la photo? J'ai sorti l'album. J'ai montré la photo de mon mari. Ah, il m'a dit, quel dommage. Voilà un qui va encore devenir veuf à son âge. Et quand monsieur a parlé des justes, moi je vais dire que mon domestique aussi en fait partie. Il a tout fait pour que je puisse avoir au moins des lots. Et je me rappelle que quand on ne pouvait plus aller à la banque ou, quoi, ou chercher de l'argent, quoi que ce soit, je l'avais déjà payé son salaire. Il m'a dit, Maman Ngabo, parce que mon fils s'appelle Ngabo Nziza, le fils aîné. Je sais que tu m'as déjà payé mon salaire, mais l'argent que tu m'as donné, je vais essayer d'aller chercher à manger pour qu'on puisse donner à manger aux enfants. Il me dit, si Papa Ngabo revient un jour et si on est en vie, il pourra me payer, ce n'est pas un problème. Il est parti chercher de l'eau. Il allait chercher de l'eau à des kilomètres et des kilomètres. Des fois, il revenait avec de l'eau, des fois sans. Ce que j'ai dit, je suis en train de sauter des choses. Quand j'ai accouché, la dame avait laissé un bananier. Et je ne savais pas pourquoi il l'avait fait. Mais après l'accouchement, il l'a coupé. Il me l'a dit, tu dois manger ça au moins pour que la petite puisse avoir un peu de lait au début. Donc, les domestiques préparaient ça. Et je vous ai dit tout à l'heure que je suis tombée malade. Quand mon mari il savait encore qu'on était encore en vie, donc c'est-à-dire qu'il y avait des prêtres à l'église de Nyamirambo, des prêtres blancs. Donc il a demandé à la dame, pendant que le téléphone fonctionnait encore, il lui a dit, je vais essayer d'envoyer de l'argent pour que tu puisses lui acheter des médicaments. Donc, elle a été chercher, donc la dame Janvière, celle qui nous aidait, elle a été chercher des médicaments. Je ne sais pas si c'était des antibiotiques, quoi que ce soit, ce qui est sûr, c'était des médicaments, mais quand on les prend sans manger, ça tue encore plus. Ma peau était, comment dire, comme une peau de lézard ou de serpent s'appelait, c'est... Je ne sais pas si c'était à cause de la peur ou de l'hémorragie ou je ne sais pas quoi, mais c'était vraiment... J'étais devenue... j'avais plus d'aspect physique. Donc, pour vous dire, je vais parler de la dame. Une fois par jour, de temps en temps, quand elle pouvait, elle venait me voir. Elle venait voir si la petite avait
et respirer encore, parce que je peux dire respirer, parce que j'avais pas de lait, j'avais rien. Et elle descendait avec un peu d'eau pour lui donner à la cuillère de l'eau avec du sel. Et puis j'ai regardé mes enfants comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Au fait, je pense que le pire pour une maman, c'est de voir. On s'est dit, on est sûr de mourir. Mais voir ses enfants mourir comme ça de faim, je pense que c'est la pire des choses. Une autre histoire, quand les miliciens sont revenus encore à la maison, ils venaient tout le temps, mais il y a des choses qui marquent vraiment et qui vous rendent à vie. Ils sont venus. Ils entrent à la maison. Au fait, ils allaient dans toutes les chambres. Pour voir si on ne cachait pas des signes, comme ils disent. Ils me demandent, est-ce que vous avez une pièce d'identité? J'ai dit oui. Est-ce que vous pouvez nous la montrer? J'ai pris ma pièce d'identité, j'ai montré. Mais avant d'ouvrir la pièce d'identité, il m'avait dit, vous sortez. On va vous amener là où il n'y a pas des fusillades. Parce que là, c'était aux alentours du mois de juin et les militaires étaient, les militaires du Front Patriotique étaient juste aux alentours de Kigali. Je suis sortie avec mes trois enfants du coup, arrivée à l'extérieur, donc j'avais déjà fermé la maison. Et là, donc les miliciens, ils ouvrent, ils regardent ma pièce d'identité et il me dit, vos frères sont en train de nous exterminer et toi, tu es encore là. Alors, je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait que ce jour-là, il y a une bombe qui est tombée juste à côté de la maison. Juste quand il a fini de prononcer ces mots, la bombe est tombée directement à côté de la maison, donc en dessous, même pas 2 mètres, si je peux dire. Les écrans de verre sont éclatés. J'ai vu tous les miliciens sauter le mur de la maison. Ils sont partis. J'ai pris mes enfants, j'ai encore ouvert la maison, j'ai pris les enfants. On est rentré encore à l'intérieur. On a fermé. On n'a pas bougé. Au fait, quand ça arrivait, je ne sais pas si on respirait, je ne sais pas. C'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer. On est là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer au fait? Donc là, on a fait, parce que les domestiques, ces jours-là, il y a des fois, on ne sait pas les chronologies des choses, mais les domestiques étaient sortis pour aller chercher de l'eau, mais ils n'est jamais revenu. Et donc, quand on est rentré avec les enfants, donc ces jours-là, on a fait 7 jours. Jour pour jour, sans boire, sans manger. Mais ce que je voulais dire au début, là, on est resté parce qu'au fait, la dame qui nous aidait, quand les Front Patriotiques étaient aux alentours de Kigali, elle est venue me voir et m'a dit, écoutez, si tu n'es pas morte jusque-là, c'est qu'il y a une raison, mais je ne peux pas rester à Kigali. Je suis obligée de partir dans ma région natale avec les enfants parce que là, ça devient compliqué. Je lui ai dit, elle me dit, si je t'amène avec moi, on va te tuer avec tes enfants. Et je n'ai pas envie qu'on te tue devant moi. Donc, tu continues à rester là. Si Dieu continue à t'aider, il va t'aider. Mais je peux pas vraiment t'amener avec moi parce qu'on va te tuer. Et donc, on restait là pendant la semaine sans manger ni boire. Et je me rappelle bien, donc le dernier jour, quand on nous a sauvés, c'est mon fils de 5 ans qui m'a dit, « Maman, il faut faire quelque chose.
Toute la ville de Kigali a été exterminée. Tous ces que les gens qu'on connaissait sont morts. Parce que quand on regardait à travers la fenêtre pendant tout ce temps, même si on ne sortait pas, on entendait des cris, on voyait des maisons brûlées, on voyait beaucoup de choses. Et même en dessous de la maison, comme il y avait comment dire, une clôture, nous, on pouvait voir ce qui se passait de l'autre côté, mais on ne voyait pas. Donc, quand j'ai jeté un coup d'œil à travers ma chambre, parce que ma chambre donnait accès à la route juste en bas, je voyais les gens qui se faisaient couper à la machette. Il y avait. Donc, ils étaient habillés comme des fous. C'était horrible d'entendre les cris des gens qui meurent. Et d'une façon, moi, je me culpabilisais. Je disais, mais si je suis là, c'est pourquoi faire? Pourquoi je restais là? Est-ce que c'est pour mourir de faim avec mes enfants? Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, en revenant derrière, quand mon fils m'a dit, il m'a dit, maman, il faut faire quelque chose. Il m'a dit, il faut que tu ailles chercher de l'eau. Parce qu'on n'est pas mort comme tout le monde, mais on va mourir de faim et de soif. J'ai pris la petite dans mon dos, j'ai pris les deux enfants, j'ai dit, écoutez, quoi qu'il arrive, on va mourir, donc il faut peut-être sortir mourir à l'extérieur. J'ai pris les deux avec un petit jerrycan de 5 litres pour faire genre, je vais chercher de l'eau. Donc, il y avait trois, on était dans une maison, c'était trois maisons successives. J'étais celle d'en bas. On est monté les escaliers, mais c'était difficile de monter parce que les mamans rwandaises, elles savent, quand on vient d'accoucher ou quand on a faim, moi, j'avais pris un pagne pour que je puisse avoir la force. J'avais serré trop fort au niveau du ventre. Comme ça, je pouvais continuer à respirer. Mais quand on voit son bébé juste à côté en train de mourir de faim, tu lui donnes le sein, il n'y a rien qui va sortir. On s'est dit, quoi qu'il arrive, si c'est pas ça, la mort, c'est quoi? Donc je suis sortie, arrivée en haut. C'est là où j'ai vu les militaires. Je savais même quoi c'était, ni militaire du Front patriotique ou pas, je ne savais pas. Je voyais juste qu'ils étaient habillés en boubou. Quand j'ai regardé à ma droite, il y avait beaucoup de cadavres. Et à ma gauche, c'était ces militaires qui étaient là, des tanks, des trous. Il y en a un qui est venu vers moi, il me dit, mais madame, il faut venir vite parce que là, il y a beaucoup de bombardements. J'arrive devant lui. Il me dit, mais vous étiez dans quelle maison, madame? Je lui ai montré la maison. Il me dit, mais je pense que si vous n'êtes pas morte ce soir, vous mourrez peut-être à 100 ans. Je ne savais pas pourquoi il me disait ça, mais moi, ce que je voulais au départ, c'est qu'on puisse me donner un peu d'eau et mettre sur le. Avaler un peu d'eau et donner à mes enfants, je ne voulais pas parler. Mais les militaires m'ont dit, vous prenez un peu d'eau, c'était dans une gourde, et mettez juste sous la langue, mais ne buvez pas. Et je me rappelle, il y a un militaire qui m'a dit, je vois que vous avez un bébé, est-ce que vous avez des vêtements de bébé? Je lui dis oui. Mais je ne vais pas retourner dans cette maison, je lui ai répondu. Il me dit, mais pourquoi, madame? Je lui dis, mais là, juste dans. Parce qu'il y avait des arbres à côté de ma maison, je lui dis, juste à côté, il y a des miliciens. Il me regardait comme ça, les militaires, il me dit, mais. Et nous, qui sommes-nous? Je lui dis, je ne sais pas, mais les miliciens ne parlent pas comme vous.
Si j'ai dit ça, c'est la manière dont il m'a abordé, m'a parlé, parce que les miliciens, quand ils venaient, c'était... Soit ils... Moralement parlant, même en les voyant, vous saviez que c'était fini. Quand ils commençaient à vous parler, c'était... comme si c'est la fin. Et je m'attendais à ça tous les jours. Et donc, les militaires qui m'ont dit, OK, je vais t'accompagner dans la maison et chercher les affaires du bébé. Et il m'a dit, nous, on est des gentils, vous inquiétez pas. Donc, il a pris deux personnes qui m'ont accompagnée dans la maison. J'ai pris une tenue supplémentaire pour chaque enfant, donc Brice et Wilson, et puis les vêtements du bébé. Et je suis sortie de la maison. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup à manger que je n'avais pas préparé, donc j'ai donné la clé de la maison au militaire qui est là. Je lui ai dit, écoutez, il faut sortir les manger, au moins vous les mangez pour survivre. Parce que ça va pourrir pour rien. Les militaires nous ont pris. Ils nous ont ramenés dans un quartier où il y avait moins de bombardements. Ils nous ont nourris pendant une semaine. Après la semaine, ils ont dit, maintenant, il faut qu'on vous amène dans un quartier où c'est calme, comme vous avez pris de la force. Ils nous ont amenés dans un village, Kabuga, où on a fait pratiquement presque un mois. Quand on partait, on n'avait rien. Donc, ça dit, j'avais que ces vêtements des enfants, c'est tout. On arrive à Kabuga. On a dormi à l'église. Mais je me suis dit, mais je ne vais pas laisser les enfants dormir dehors. Je suis allée toquer sur une maison, je ne connaissais même pas qui était dedans. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous pouvez nous aider? Je lui ai dit, je veux juste que mes enfants dorment au chaud, pas à l'église, à l'extérieur. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais comme Dieu aide, mais je ne sais pas, il y a des croyants peut-être parmi vous, pendant les trajets, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a reconnu que je ne connaissais pas. C'était un militaire du Front patriotique. Il m'a dit, vous partez, tu ne sais pas dans combien de temps tu vas rester là-bas. Avant de partir demain matin, je viendrai te voir. Je me rappelle qu'il m'a ramené un matelas. Il m'a rappelé, il m'a ramené du riz. Il m'a ramené du lait en poudre. Il m'a dit, au moins tu pourras nourrir les enfants. Donc, arrivé à Kabuga, dans la nuit où je suis allée toquer chez la dame, je lui ai dit, j'ai du lait, si vous avez des enfants, si vous avez de l'eau, est-ce que vous pouvez me permettre de chauffer de l'eau et donner du lait à mes enfants? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Ces jours-là, les enfants ont bu aussi du lait. Ils ont mangé parce que la dame nous a offert gentiment à manger. Et le lendemain, donc, j'ai dit, il faut que je trouve où vivre avec mes trois enfants. J'étais devant la route en me disant où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais trouver une maison, qu'est-ce que je vais faire. Je vois un rescapé aussi qui me connaissait. Je ne sais pas, c'est peut-être Dieu qui a envoyé toujours des signes, j'en sais rien. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je suis là, mais je ne sais pas pourquoi je suis là. Au fait, quand je répondais comme ça, je ne savais pas pourquoi j'étais encore en vie, au fait. Il m'a dit, ma famille est juste en bas. Il m'a décrit la maison. Tu y vas au moins pendant une nuit, tu pourras dormir. Je suis allée là-bas. Mais c'est que les gens doivent savoir, peut-être qu'ils ont vécu la même chose. Quand on va chercher à manger, on va chercher, par exemple, des bananes, autre chose.
On va chercher une casserole pour dans les maisons abandonnées. On va sauter les cadavres. Les mamans qui ont des bébés sur les dos. Mais on se culpabilise en permanence. Si c'est la première fois que je témoigne, c'est parce que j'ai du mal à en parler. Je me dis, et pourquoi moi, en fait? Pourquoi moi, je suis encore là? Comment je peux expliquer à quelqu'un qu'un enfant, un bébé, peut faire 3 mois sans manger ni boire, mais être encore en vie? Comment expliquer aux gens qui ont perdu toute la famille, décimée, et leur dire, moi j'ai encore mes 3 enfants, comment expliquer cela? Moi, de mon côté, je me sentais un peu coupable de dire je suis en vie, mais je ne devrais pas être là. Mais quand j'ai parlé du miracle, le miracle, c'est ma petite fille. Elle a maintenant 27 ans. C'est une belle jeune dame. Je sais que tous les 7 avril, il y a des commémorations, même si je ne viens pas. Et moi, je n'oublie pas. Je vois mes enfants tous les jours, je me rappelle tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas tout raconter parce que j'ai sauté des épisodes. Mais comment vous dire voir son bébé, son enfant, te dire, maman, j'ai faim. Et qu'on ne peut pas lui donner à manger. Toi, tu te poses une question de pourquoi toi, pourquoi tu es là. Et tu nous dis aussi que la vie, par je ne sais quel truchement, a mis devant ton chemin des personnes qui ont pu te secourir, à commencer par cette femme qui était ta logeuse. Donc, elle m'a nourri, elle m'a lavé quand j'étais malade, parce que je ne pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Je sais qu'elle descendait, c'est elle qui m'a lavé, qui m'habillait. Pendant la période où j'étais vraiment très malade, c'est elle qui portait la petite toute la journée chez elle. Donc, je suis reconnaissante envers elle, en fait. Si elle n'était pas là, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolée. C'est juste. Tu aimerais rajouter quelque chose d'autre? Sauf si quelqu'un a une question à poser. Mais pour vous dire qu'à la fin, quand on est revenu à Kigali, je ne sais pas par quel miracle aussi. Il y a un monsieur qui est venu parce qu'on avait quitté la maison. Un militaire nous avait trouvé une autre maison. J'arrive là-bas, je croise quelqu'un qui était déjà dans la maison, je ne le connaissais pas. Et un soir, il y a un ami à lui qui vient. Il vient voir ces messieurs qui étaient dans la maison. Et je les vois, ils m'observent. Je lui dis, mais pourquoi vous m'observez comme ça, monsieur? Il me dit, je peux vous poser une question indiscrète. Je lui dis, oui. Est-ce que votre mari est mort? J'ai dit, non. Il est où? Je lui dis, en France. Ok. Il me dit, j'ai 2 cousines en France. Je lui dis, est-ce que par hasard, ça ne serait pas Françoise? Les deux Françoises, elle me dit si. Elle me dit donc, vous êtes la femme d'Île-de-France?
Je lui dis oui. Je les vois pleurer. Je lui dis, vous connaissez mon mari? Il me dit oui. Il venait de l'Ouganda. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que demain, je vais retourner en Ouganda. Je lui ai dit, la seule chose que vous puissiez faire pour moi, apportez-moi un stylo et une feuille. Je vais écrire à mon mari qu'il sache qu'on est en vie. Le lendemain, il a tenu parole, il est venu avec un stylo et du papier, j'ai écrit. Je connaissais l'adresse par cœur de mon mari à son école. Et donc, je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux envoyer les courriers dès qu'il aura, comme ça, il saura qu'on est en vie, qu'on n'est pas tous morts. C'est ce qu'il a fait. Et un jour, quelqu'un toque à la porte, donc là où on était. J'envoie mon fils Brice, il va ouvrir, parce qu'il y avait des militaires qui nous amenaient systématiquement des médicaments ou à manger pendant cette période. Et je l'entends crier « Papa ». Je lui dis « Mais... » C'est-à-dire que tu es déjà traumatisé, que tu commences à confondre tout le monde, que c'est ton père. Et son frère Wilson va aussi voir son... Il va à la porte, il dit « Non, non, maman, maman, c'est papa, c'est papa, c'est papa. » Alors je m'élève, j'ai dit « C'est fini, mes enfants, ils sont traumatisés à vie, donc si ils ont vu quelqu'un, ils confondent, voilà, c'est fini. » Je m'élève, je les garde, je les vois, il est en face de moi, mais je ne bouge pas. Je ne bougeais pas du tout. Il me dit « Mais viens me dire bonjour. » Je me disais, non, ça doit être, comment dire, je suis en train d'halluciner au fait, je pense que les gens qui sont rescapés, on voit des images, on voit des trucs, mais là, ça ne peut pas être vrai. Et donc, lui, il vient vers moi, il m'embrasse, à la rwandaise, bien sûr. Et il y a une chose, donc, les deux petits étaient avec moi à la cuisine, mais la petite dormait, donc Fleur dormait dans la chambre. Mais il n'a pas osé me demander si ma fille était en vie. On était assis au salon avec les gens qui l'accompagnaient, qu'il avait vus sur la route. Il dit, ma famille est en vie, tout ça, il faut boire la bière, il faut, voilà. Je l'ai regardé comme ça, je ne parlais pas. Je lui dis juste, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir du lait ni d'eau, du lait en poudre? J'ai dit, il faut que je donne du lait à ma fille. Mais jusque-là, je ne parlais pas. J'ai lancé juste des mots. Et il s'est assis pendant un certain moment, mais il ne m'a pas demandé où est ma fille. Il a dit, il m'a posé la question, est-ce que la chambre, elle est où, je vais aller m'échanger. Mais ce n'était pas pour aller s'échanger, c'était pour aller voir si la petite était là ou pas. Là, il a vu la petite dormir, il est revenu, il pleurait. Je pense que c'était des larmes de joie, ce n'était pas des larmes de tristesse. Et... pour vous dire, je suis arrivée ici comment? Je ne sais pas quel miracle il a fait. La technologie, les photos, il avait développé les petites photos qu'on lui envoyait de temps en temps. Et il a pu avoir un passeport. Donc, Annie accompagnait 3 enfants. Mais il avait mis 3 enfants, mais il ne savait pas que la troisième était là. Et les Rwandais savent qu'on ne donne pas les noms comme ça, donc ma fille n'avait pas de nom. Quand on me demandait comment elle s'appelait, je disais Naka Yesu. C'était une fille de Jésus, au fait. Et lui, quand il a été à l'ambassade chercher les passeports, on lui a demandé, mais comment on va appeler votre fille? Il a dit, si elle est encore en vie, vous l'appelez Shima. Donc, mettez Shima, ça signifie remercier.
Et il y a une dame qui était une amie à nous aussi, une Française. Elle a dit, mais il défonce, tu sais, si ta fille est encore en vie, donne-lui les prénoms des fleurs. C'est une fleur qui ne s'est pas fanée pendant les génocides. Donc là, ma fille s'appelle Shima, Ngaruye Shima Fleur. Donc, c'est mon miracle à moi aujourd'hui, à mes deux enfants, bien sûr. Donc, si je suis là pour témoigner, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont aidé. Nous, on était à l'intérieur, on ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé à l'extérieur, mais on peut juste témoigner ce qu'ils ont fait pour nous. Et c'est le plus important, je pense. Le reste, c'est... Il y a le Créateur qui sait, qui saura, parce que là, j'ai encore une question, je ne sais pas dans quelles circonstances, mon beau-frère est décédé, et son cousin, parce qu'ils sont partis à la barrière, ils ne sont jamais revenus, mais ils ne m'ont jamais dit dans quelles circonstances il est décédé. Et moi, je n'ose pas lui demander. Parce que quelqu'un qui vous aide, vous ne pouvez pas mettre un doute. Peut-être ils sont morts autrement, ailleurs, j'en sais rien. Mais je ne peux pas dire que c'est eux qui les ont tués. Ça serait malhonnête de ma part. Parce que je ne sortais pas. J'étais à l'intérieur. Mais ce que je sais, elle m'a nourrie. Elle m'a aidée à accoucher. Elle a aidé ma petite. Donc je pense que c'est le plus important. Donc, je suis là. Merci, Annie. Merci de m'avoir écoutée. À vous aussi, les garçons, parce que vous l'avez aidé à tenir. C'est des braves. Et il continue à l'être. Merci. Et merci d'avoir essayé, dans cette histoire tellement compliquée, de vous en tenir aussi au thème de cet après-midi, autour de ces gestes d'humanité dans le chaos. Vous avez bien montré les gestes d'humanité. Vous avez bien montré aussi le chaos. Qu'on ne se repère pas, on ne sait pas quel jour, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas qui vous parle. Par exemple, moi, je vais poser une question que vous allez peut-être juger idiote. Deux. Ouais. Pas grave. C'est pas grave. Une qui est, et j'ai souvent vu ça, j'ai lu ça dans le livre de Félicité, quand vous dites les militaires. Alors, au début, je me dis, c'est l'armée rwandaise d'Abiyarimana. Le FPR, je pense que vous dites les militaires du FPR, mais je ne sais jamais quel militaire c'est au début. Alors, chaque fois, je me pose la question. Alors peut-être vous, vous savez tous. Alors, c'est qui s'est présenté à domicile pendant toute la période du chaos. Oui. Moi, je les appelle Inheramu, des miliciens. Parce que c'était pas des militaires qui venaient. C'est clair, mais voilà. Quand vous parlez des militaires... C'est des militaires du Front Patriotique que j'ai vus quand je suis sortie. Ah, d'accord. Mais par contre, quand j'ai dit militaires, au début, je ne savais pas qui ils étaient. D'accord. Mais ils étaient juste habillés en tenue militaire. Parce que quand Félicité, on va voir, parle de militaires, ce n'est pas le Front Patriotique. C'est l'armée. D'accord, l'armée rwandaise. Oui. Même sans vous couper, ils étaient là depuis une semaine, c'est le Front Patriotique. Mais nous, on ne les savait pas. Oui. Et alors, j'ai compris. Oui. Maintenant, autre chose, je vais vous demander. Et oui. Cette dame, la dame, oui. Dont vous dites, la dame, elle en acquiert presque une qualité, Janvière. Oui. Vous l'avez revue, vous savez ce qu'elle est devenue. Oui, chaque fois que je vais au Rwanda, je vais la voir. Vous êtes encore en contact. On est en contact. Quand on y va, on lui offre des cadeaux. À l'anniversaire des fleurs, elle envoie des messages, un SMS pour souhaiter l'anniversaire à Fleur. Donc, on est resté vraiment en contact. Vous avez une idée pourquoi elle a fait ça? Je ne sais pas. Surtout que ça ne faisait pas longtemps, j'étais à Nyamirambo. Donc, on ne se connaissait pas.
Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi elle l'a fait, mais elle l'a fait. Elle l'a Donc, fait. Moi, l'essentiel, c'est que... Elle l'a fait. Voilà. Alors, vers la fin, il y a un petit doute quand vous parlez de votre... De mon beau-frère. De votre beau-frère et ouais. de son cousin. Là, on reparle, on retrouve le thème de tout à l'heure, de l'ambiguïté. C'est-à-dire, on n'est jamais sûr, et de ce que disent certains des rescapés dans le livre de Jean Hatzfeld, je sais ce qu'elle a fait, pas savoir, mais n'empêche, vous parlez de gratitude. Elle m'a sauvée, elle a sauvé ma fille, elle a sauvé, mais elle nous a sauvés. Tout à elle fait. Elle a fait activement plusieurs gestes oui. qui nous ont sauvés, mm-hmm. qui ont participé à notre sauvetage. Après, il y a eu, vous êtes croyante, il y a eu quelques personnes rencontrées comme ça, mais vous parlez oui, de la dame, moi oui. j'ai envie de lui mettre un D majuscule. Oui, tout à fait. qui a fait plusieurs choses qui vous ont permis d'accoucher, de tenir, même difficilement. Oui. Donc vous êtes en contact avec elle. Je suis Merci. En contact avec elle. Nous sommes en contact avec elle. Les enfants aussi. Oui. Les fleurs. Les fleurs aussi. Ma fleur. Ma fleur, oui. Merci. Merci, Annie. Merci, Régine. Pour rester dans le thème, et peut-être aller dans le sens de Régine aussi, on parlait de juste, on parle du travail que Iboka va continuer à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais à témoigner ou à demander à ce que cette femme soit reconnue comme juste, est-ce que c'est une démarche que tu ferais? C'est un peu difficile. C'est-à-dire que moi, comme je vous ai dit, elle m'a aidée. Mais son mari et elle... Elle pouvait sortir, ils étaient sur les barrières. Et ce qui s'est passé là-bas, je ne peux pas le savoir. Moi, je témoigne juste sa gratitude, ce qu'elle a fait, mais je ne peux pas aller à dire cela. Parce que je ne connais pas toute l'histoire. Quand j'ai dit je ne connais pas toute l'histoire, quand mon beau-frère est... Et son cousin sont partis à la barrière. Même si elle n'était pas là tout, sur la barrière, mais son mari était là tous les jours. Donc, j'aurais aimé que peut-être, même si ce n'est pas elle, mais qu'on me dise peut-être ton beau-frère, ça s'est passé comme ça. Parce qu'il jouait quand même les rôles de papa avec les enfants, même si son frère n'était pas là. Donc, pour moi, ça reste quand même une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et c'est pour cela que je ne peux pas dire que je peux donner une réponse positive à ça. Merci. Parce que ce n'est pas très, très simple hein, ce que tu viens de nous témoigner, de nous partager. C'est une histoire, bien évidemment, toutes les histoires des génocides sont terribles. Mais c'est vrai que tu as été particulièrement malmenée, accouchée dans ce moment-là. Mais je retiens Shima. Shima, ouais. Shima. Ouais. Oui. Alors, pour introduire Félicité, je suis ravie de te rencontrer à nouveau ici au mémorial Félicité. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer. Et ces moments du mémorial, je crois qu'on les remercie jamais assez. C'est vraiment des espaces très, très importants pour la parole du rescapé. Et merci encore de continuer à organiser ce genre de rencontres. Alors, Félicité, toi, tu avais 16 ans au moment du génocide. Tu as vu l'horreur de la mort brutalement. Tu as côtoyé l'abominable dans ce petit séminaire de Nyondo. Mais je voudrais, pour t'introduire, commencer en 2008 avec ta rencontre de la biographie de Marthe Aigret. Et ce livre qui va te convoquer et t'amener à inscrire ton histoire dans la mémoire collective
Parce que tu disais qu'auparavant, tu l'avais vraiment mis de côté pour pouvoir avancer. Et quand tu rencontres ce livre, ça va t'amener à, ça va tout ramener et tu vas tout de suite commencer des actions. Tu vas participer à une marche au flambeau, marche de commémoration à Bruxelles. Plus tard, tu vas écrire un livre, tu vas témoigner, et c'est ce que tu vas encore faire ici. Et puis, aujourd'hui, tu es présidente de Ibuka Belgique. Donc, tout ça montre comment, quand tu as décidé de rentrer dans cette communauté de la mémoire, de faire connaître la mémoire du génocide, eh bien, tu as mis tous les moyens. Et je vais te céder la parole pour que tu puisses nous témoigner ce dont tu as envie de nous témoigner aujourd'hui, de ton expérience, c'est toi qui vois. Mais je ne peux pas ne pas penser à te demander de nous parler aussi, pour rester dans le thème d'aujourd'hui, de Eustache. Quand on parle de gestes d'humanité, j'ai lu dans ton livre les gestes d'humanité d'Eustache. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir nous en dire. Et puis aussi, de la directrice de l'orphelinat, Athanasie, voilà. Et c'est des personnes aussi qui vont peut-être contribuer à te sortir du génocide vivante. La parole est à toi. Merci Amélie. Bonjour à tous. C'est vrai qu'après avoir écouter un tel témoignage, un témoignage d'une maman qui accouche pendant le génocide. J'imagine même pas. Moi-même, je suis maman de quatre ados. Et c'est vrai que c'est du chemin. Je suis venue petit à petit jusqu'à raconter mon histoire. Mais en même temps, en écoutant ça, je me dis, il y en a qui ont eu quand même de la chance. Ça, il faut le dire aussi. Parce que c'est très rare de trouver des familles qui, malgré tout ce parcours, arrivent à s'en sortir avec un bébé, trois enfants, un mari qui revient. C'est inouï. C'est vraiment des choses pour lesquelles il faut être reconnaissante. Parce que le plan, c'était de les tuer tous, de nous tuer tous et qu'il n'y ait personne. Donc, moi, j'étais d'une fratrie de sept enfants. Donc j'allais de cachette en cachette, je revenais d'un endroit, je les trouvais tous morts et puis je partais de là et jusqu'à ce que, dans ce que je raconte, je suis presque sauvée par ma petite cousine qui a 4 ans, qui elle aussi, chaque fois, première attaque, on tue tout le monde qui est dans la chapelle où nous étions et elle, on lui a coupé à la machette son bras, mais on va sortir de là, donc je vais survivre avec mon papa pendant quelques jours encore. Et deuxième attaque, là où nous sommes, parce que c'est un peu peut-être difficile de vous faire visualiser tout ça. Les églises étaient des lieux de refuge, mais voilà, ici c'était plutôt des abattoirs. Et donc ma cousine de 4 ans, chaque fois, va être blessée. Et pour la dernière fois qu'ils vont tuer plus de 600 personnes rassemblées à cette cathédrale où je me trouve avec elle, avec mon père. Donc il faut dire, le 7 avril, chez nous, la messe était dite. Alors, j'habite dans le nord, à Ghisseni. De la violence dont a parlé Jean Hatzfeld, je crois qu'il a mieux traduit le fait de dire que même si on explique ci et ça, et que c'est impossible de comprendre. Moi-même, je ne comprends toujours pas. Mais voilà, on était au milieu de ce chaos-là. Et donc, ma cousine va être encore... on va lui fracasser toute la mâchoire, des entailles dans la tête. Pour vous résumer, bref, elle n'a pas parlé pendant un an, alors qu'elle parlait, elle avait 4 ans.
Et il y a un militaire. Alors, un militaire, au milieu de tout ça, on est au milieu de plus de plusieurs centaines de corps. Moi, je suis avec mon père. On a retrouvé ma petite cousine qui est encore totalement, grièvement blessée. Et on attend qu'il revienne, en fait. On attend qu'il revienne parce que de l'endroit où nous nous trouvons, il est impossible de fuir. Donc la cathédrale est érigée sur une colline et en fait on voit les collines en face et ceux d'en face voient tous les mouvements qui pourraient venir de là. Et donc mon papa avec ses quelques professeurs qui avaient autant, comme mon père, avait perdu aussi toute leur famille, donc leur maman, leur femme et leurs enfants. J'étais la seule qui restait avec mon père, en fait, à ce moment-là. Et on reste là, dans l'église, on attend qu'il revienne. Et à un moment donné, tout à coup, on va voir un militaire qui rentre, mais c'est un militaire de l'armée rwandaise. Donc, on ne parle pas du FPR, et on est vraiment peut-être le 11, le 12 avril. Voilà, la notion de temps, en tout cas, c'était pas possible. Mais un militaire rentre et il nous trouve là. Il approche mon père et il demande s'il pourrait faire quelque chose pour ma cousine qui est sur les genoux de mon papa. On est tous couverts de sang et on est là, quoi. Et il demande s'il pourrait peut-être aller conduire cet enfant à l'orphelinat de la région et la faire soigner. Et mon père, qui est totalement dans un état, je ne pourrais pas vous le décrire, il est très agressif, et il lui dit « Ah oui, maintenant vous tuez et vous sauvez aussi ». Et le militaire lui dit « Écoutez, monsieur, ma famille, j'ai une partie de ma famille qui est tutsi et je suis sûre qu'à cette heure-ci, cette partie, elle a été tuée. Si je peux faire quelque chose, maintenant, je peux le faire. » Et là, mon père a tout de suite confiance, lui dit « Ah, ok, est-ce qu'elle peut partir avec sa sœur ?» Et le militaire accepte. Et c'est la dernière fois que je vois mon père. Et donc, il nous conduit à l'orphelinat. Dans sa camionnette, il y avait plein d'autres militaires derrière qui tuaient, bien sûr, aussi. Mais je ne sais même pas ce qu'il leur a raconté, s'il leur a dit que, je ne sais pas, il va me prendre pour sa femme ou qu'il va nous tuer. Je ne sais pas comment il a raconté. En tout cas, il nous a conduits jusqu'à l'orphelinat. Je ne pourrais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais je vais apprendre... Longtemps après le génocide, quand il y a les retours de ces réfugiés qui sont rapatriés, et à un moment donné, j'échange avec un ami à qui je dis vraiment il faut faire quelque chose pour Eustache. C'est pas le même Eustache dont parlait Monsieur Hatzfeld, c'est ce militaire là. Pour moi, je me dis je lui dois cette reconnaissance et j'apprends. Par d'autres témoignages, des filles que lui, il avait prises, qui étaient étudiantes à l'université. Moi, j'étais en troisième secondaire. Donc je crois que j'étais encore très jeune pour lui. C'était pas le bon plan. Mais il avait sauvé quelques filles de l'université, les a violées, les a prises pour ses femmes, en fait. Elles étaient séquestrées quelque part. Et quand je l'apprends... Et cet ami, je lui dis, moi, je ne vais pas beaucoup au Rwanda, mais si tu y es, il faut vraiment peut-être faire quelque chose pour Eustache. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce combat entre celui qui veut dire, voilà, moi, c'est grâce à lui que j'ai pu échapper, et d'autres qui disent, nous, on aimerait vraiment qu'il réponde pour ses actes. Et ça, c'est cette ambiguïté que nous avons dans cette histoire de juste. Un autre exemple, par exemple, que je raconte, que je n'ai pas eu le temps d'écrire parce que je l'ai appris longtemps après. Donc, moi, je suis née au Congo et nous nous sommes installés au Rwanda après les années 80, 85, 86.
Et nous avons habité, on avait une voisine, une vieille voisine qui s'appelait Agnès et qui avait des grands enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que nous. Et un de ses fils était le chauffeur de l'archevêque de Kigali. Pierre, il s'appelait, on l'appelait Petelogasazi. C'était un fou furieux. Donc, il roulait très vite. Et pendant le génocide, il a tué, vraiment, à l'image de l'archevêque de Kigali. Mais contrairement à son frère, qui, lui, était resté toujours au village. Alors, quand mon père, lui, va survivre à un moment donné, il reste là pendant un mois avec tous les autres réfugiés qui étaient aux alentours de cette cathédrale de Nyundo. C'est le frère de Pierre qui vient chaque fois leur apporter à boire et à manger. Et même, il avait réussi à leur trouver des machettes. Donc, pendant ce temps, ils se sont réorganisés, ils sont restés là avec des machettes jusqu'à ce que la Croix-Rouge, qui voudrait les évacuer la veille du 1er mai, journée internationale de travail, et là, le préfet de Gisenyi apprend qu'il y a une logistique qui se met en place pour les évacuer et tout de suite ils vont aller les assassiner tous. Eux croient que c'est la Croix-Rouge qui revient le soir pour les évacuer, mais au contraire, en fait, ce sont les camionnettes des militaires de la garde présidentielle qui vont achever le travail ce jour-là. Donc il y a toujours cette complication de se dire qui a fait quoi, et s'il m'a sauvé, il n'en a pas tué d'autres. Et on a des gens quand même qui ont eu ces actes héroïques, c'est vrai, dont on parle peu, mais moi, de ma part, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, mais il y a une ignorance sur plusieurs actes, des choses qui ont été faites. Il y a par exemple plusieurs filles domestiques, des nounous qui ont sauvé les enfants qu'elles élevaient, et elles se sont retrouvées dans cette foule qui allait vers, qui était dans une course effrénée pour fuir le FPR. Donc il y a des enfants qui leur doivent la vie comme ça, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on place le curseur pour savoir que celui-ci est juste. Mais par contre, la reconnaissance, je pense qu'elle est avant tout chez nous, rescapés. C'est nous qui reconnaissons en premier tous ces gestes qui nous ont sauvés. Alors, la directrice de l'orphelinat, elle était Tutsi. Elle tenait cet orphelinat depuis plusieurs années. Mais elle a opposé une résistance parce que tous les jours, les miliciens venaient réclamer qu'on me sorte, que comme je suis un cafard et qu'on ne peut pas me garder là. Et les nounous de cet orphelinat, les filles ou tout qui travaillaient, tous les jours, elles étaient là en train de se plaindre que je mets tout le monde en danger. Et il faut absolument... Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a résisté pendant un mois pour ne pas vraiment me foutre dehors parce que je mettais tout l'orphelinat en danger jusqu'à ce qu'on va être évacué. Et elle a vraiment opposé cette résistance, même si on va dire, oui, c'est vrai qu'elle est Tutsi. La pression était telle qu'elle a tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on va être évacué. Et Yvette, dont je vous parle, a été adoptée en Belgique. C'est comme ça que je viendrai 6 ans plus tard aussi pour continuer mes études. Et elle a été soignée, c'est une jeune maman d'une petite fille. Et voilà, c'est du chemin. C'est vrai qu'un génocide ne finit pas. Et j'étais en train de dire que vraiment, il faut rester reconnaissant, de se dire que dans tout ce chaos, une famille peut être sauvée et se retrouver à la fin, miraculeusement, sans intacte. Malgré toute cette catastrophe, toutes ces blessures. Mais raconter le génocide, c'est raconter aussi qu'il y en a qui ont été effacés, totalement décimés.
je suis l'une des familles pas chanceuses, en tout cas, parce que mon papa était de Kiwoué, et de Kiwoué d'une très grande famille de 8. Et tous étaient mariés. La plus petite fratrie avait peut-être 5 enfants, 4. Il n'y a ni père, ni mère, ni enfant. Tous, c'est cette famille totalement disparue. Donc, du côté de mon papa, nous restons à 2, moi et mon frère. Du côté de ma maman, encore pas de chance. Elle était de Kiwilila. C'est la région de Gisenyi où, dès les premières attaques du FPR, on a commencé à massacrer les Tutsis, les familles Tutsis. Jusqu'en 94, ils étaient encore chanceux. Et d'une famille de 11 de chez ma maman, va survivre que mon grand-père, donc leur père, et 2 autres, mais dont chacun avait perdu femme et enfant. Et mon père va mourir de peine 10 ans après. Donc c'est cette disparition, en fait, c'est cette dimension de se rendre compte que non, c'est pas juste des crimes comme ça, c'est pas que c'était une guerre, et puis non, c'est cette volonté d'aller chercher une petite fille de 4 ans, de massacrer les bébés, d'aller les pourchasser, de les poursuivre, de chercher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus âmes qui vivent, plus personne. Et d'ailleurs, moi, je pourrais vous dire qu'à Gisenyi, bon, je ne connais pas toute l'histoire, en tout cas, de Gisenyi, de tous les témoignages qu'on entend, on a eu très peu de justes. Très peu de ces gestes-là. C'était d'une violence que les parents ont tué leurs enfants, leur filleul. Mais j'aime bien quand même raconter cette femme, Félicité. C'est pas parce qu'elle a le même prénom que moi. C'était une religieuse qui avait un frère militaire. Et je la connaissais très bien parce qu'on était voisins. Elle a habité à Nyundo. Et d'où viennent en fait ces gestes, quand même, ces gestes de sauvetage ou de résistance, je ne sais pas si c'est croire en Dieu, si c'est avoir des moyens pour le faire. Je ne crois pas. C'est une certaine humanité que moi je trouve qui est peut-être assez particulière. Parce que elle, Félicité, on raconte déjà qu'en 73, elle avait fait la même chose en cachant d'autres lycéennes quand il y avait des troubles, parce que la souffrance des Tutsis n'a pas commencé en 94, on l'entend bien. Et en 94, elle s'est vraiment acharnée à faire traverser les enfants et les quelques familles. Elle y passait toutes ses nuits en train de les faire passer la barrière jusqu'à ce que, eh bien, son frère lui écrira une lettre en lui disant « Fais attention à toi, tu risques de te mettre en danger. » Et puis elle répond, elle dit « Voilà, je ne peux pas quitter ces enfants. Eux n'ont rien fait non plus pour mériter ça. Je ne peux pas les abandonner. » Elle va être tuée avec un convoi de ces enfants-là. Mais je vous assure que dans ma localité, nous, on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de gens. Alors que, voilà, ma mère soignait tous les jours, Noël, Pâques, mon père était dans cette région, il avait été professeur. Pour moi, c'était très, très compliqué de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Et dans ma démarche d'écriture, je vais aller jusqu'à aller chercher en prison pour les rencontrer, leur poser la question, mais pourquoi vous avez fait ça? On était voisins, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Et au départ, alors, c'est plutôt l'envie de leur montrer que je suis là. Et puis, ça change. J'ai une colère, j'ai envie vraiment de les enquiquiner un peu. Et puis, je suis quand même frappée par la curiosité de savoir comment est-ce qu'ils vont réagir. Et autant qu'on parle des justes et de ces gestes, c'est quand même curieux de rencontrer son bourreau.
quelqu'un qui était votre voisin et qui me voit et qui nie, il dit mais non, c'est pas possible, tu n'es pas sorti de là, j'étais à la porte, personne n'est sorti de là. Et c'est cette complexité en fait dans le génocide pour un rescapé. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Monsieur Asfeld, c'est que on a tellement parlé de tout quand je suis arrivée à Goma et on voit tous les gens qui fuient, on parle de ces pauvres qui sont en train de mourir de choléra. Toute la médiatisation, à un moment donné, nous, on devait se taire. Il fallait se taire pour plus ou moins aller marcher, parce que limite, il n'y a personne qui va même croire ce que vous avez du mal à intégrer. Et puis, finalement, c'est les médias étaient plutôt sur le scandale humanitaire, le FPR qui a pris le pouvoir. Nous, on n'existait plus. On n'existait plus. Et je crois que c'est petit à petit, comme Amélie le disait tout à l'heure, que même pour chaque rescapé, qu'on revient à la vie petit à petit. Moi, j'étais sûre que je finirais par oublier. Et c'est quand j'ai eu mon premier bébé que tout commençait à refaire surface. Et je vais donc tomber sur le livre de Martin Gray. Et quand je lis Au nom de tous les miens, en lisant ce livre, en fait, j'ai l'impression de connaître tellement ce qu'il vit dans ces camps de concentration. J'ai l'impression de comprendre. Je l'ai, je pense, lu une ou deux fois. Et petit à petit, je me suis dit, si je devais raconter cette histoire, ce serait de cette manière-là. Et je ne raconterais pas à mes enfants que le génocide, mais toute leur vie, tout ce qu'on a été avant. De quelques personnes qui ont survécu dans ma famille. Il y a une cousine de ma maman qui, elle, vous imaginez, elle avait déjà marié deux de ses enfants. À 8, tous vont mourir, être tués dans la même région où j'habitais, et une seule va survivre parce qu'elle n'était pas au Rwanda, tout simplement. Et donc voilà, après ça, vous vous voyez avec un rescapé, personne de la famille, on n'a rien à se dire, rien. Vous vous regardez, et donc voilà, petit à petit, en lisant Martin Gray, en revenant, en faisant mes enfants, petit à petit, on revient à la vie et on se pose des questions. La colère ne manque pas, hein, de temps en temps. La question de pardon qui nous est toujours posée, et j'ai dit, mais comment vous envisagez ce pardon? Est-ce que c'est un pardon de l'Église religieuse? Est-ce que c'est un pardon qui veut dire, OK, c'est fini, je t'ai pardonné ce que tu as fait, maintenant on fait la paix, on est des amis. C'est quoi ce pardon? Peut-être je pourrais terminer par là. Quand je m'entretiens avec les élèves, moi je leur dis, pour moi le pardon, c'est de pouvoir le voir en face. Ça suffit déjà que je puisse aller le voir en prison, que je le vois et que je n'ai pas besoin de les triper. C'est déjà le pardon. Mais justement, Félicité, peut-être avant de terminer, tu pourrais nous en dire quelque chose. Moi, quand je lisais ce passage, j'avais le sentiment que tu étais à la recherche d'un peu d'humanité, peut-être ces gens-là. On voit bien comment tu insistes, comme si tu voudrais voir s'il y a de l'humanité. Enfin, je ne sais pas si je me trompe. Auprès des bourreaux ? Ah, oui, alors, j'ai été frappée de voir justement, par exemple, le bourreau, le tueur de ma maman, il me fait balader, il ne veut pas répondre, puis il crâne à un moment donné, il me dit, voilà, ça m'empêche de dormir, je n'ai pas envie d'en parler. Et je me mets presque à le supplier, en lui disant, voilà, moi je suis venue de loin, s'il vous plaît, ça serait quand même important d'en parler. Et vraiment, il bloque à un moment donné. Je ne sais pas quoi faire et je lui pose une question, comme ça, comme juste pour
pour tuer le temps, je lui dis, mais comment va ta famille, en fait? Et là, je vois qu'il cède. Et il me dit, voilà, ça fait 2 ans que je ne les vois pas. Je dis, comment ça se fait? Mais en fait, je me rends compte que c'est moi plutôt qui ai cette humanité, parce que ça me fait quand même mal de l'entendre dire qu'il n'a pas droit à la visite de sa famille. Je dis, mais comment ça se fait? Moi, je suis venue vous voir, qu'est-ce qui les empêche de venir vous voir? Et puis, il me dit, voilà, le tronçon entre l'asphalte et ici, c'est difficile. Je dis, mais on pourrait faire peut-être quelque chose pour... Je commence à proposer des services. Et là, vraiment, il se lâche, il commence à me dire... Je ne savais pas que tu avais survécu. Si je le savais, je t'aurais écrit, adressé une lettre, parce que j'ai écrit à tout le monde pour demander pardon. Je dis, tiens, pour demander pardon. Moi, dans ma tête, je dis, mais il n'est pas question de pardon ici. Tu parles ou tu te tais. Je suis entrée la colère aussi. Et c'est très, très bizarre. C'est très bizarre. J'étais dans un état où... à un moment donné, on est vraiment très proches. On nous a mis dans une petite sorte de bungalow et on se frotte presque. J'ai un sentiment vraiment de malaise, mais en même temps, je me dis, il doit parler. Je dois absolument lui faire parler. Et il finit par parler, évidemment. Il finit par parler, mais... avec un regret clair, il te montre que c'est moi qui étais à la porte, personne n'a survécu. Et là, moi, je me rends compte que je dois maintenant aussi le pincer un peu. Je dis oui, mais je suis sortie de là, ma cousine aussi, et son oncle. Est-ce qu'elle est en vie? Je dis oui, elle est en vie. Et blocage, de nouveau, il bloque. Donc, cette humanité, mine de rien, il y en a certains qui l'ont, parce que quand ils arrivent à avouer, peut-être, si ça les apaise, je ne sais pas, mais ils sont allés très, très loin. Ils sont allés très, très loin dans une telle violence que je ne sais pas comment eux-mêmes le vivent. Et je dis toujours à Amélie, je ne sais pas, quelqu'un, peut-être... des amis rescapés me disaient non, moi je ne suis pas de cet avis. Je dis toujours, si c'est à choisir, c'est vrai que j'aurais bien voulu encore avoir de la famille. Mais si c'est à choisir, je ne préfère pas leur culpabilité. Je préfère encore rester, porter cette douleur à vie, mais je ne sais pas comment eux vivent avec ça. Parce que c'est horrible. Moi, je disais à mes amis, je suis sûre qu'ils sont tourmentés, ce n'est pas possible. Comment on peut... tuer tous les jours et imaginer qu'on élève une famille. Et mes amis me disent n'importe quoi, ils sont bien, ils ont même pas mal au cœur. Je dis ok, bon, moi je suis à la recherche d'une certaine humanité, mais je crois que eux ne l'ont pas. Frappé, c'est très fort. Enfin, tout ton livre est très fort. Je l'ai relu hier soir, ce qui m'a réempêché de dormir alors que je le connaissais. Mais quelle idée aussi. Bien ça. Et ces scènes de prison où tu vas voir les deux, on voit, ça devient presque un truc du chat et de la souris. Tu dis à un moment, c'est lui qui va avoir encore le dessus. Alors que là où tu trouves la faille, c'est qu'il pensait avoir fait un travail impeccable. Il est dans sa fierté de tueur et tu lui dis nanana, puisque je suis sorti. Donc t'as pas réussi, etc. Mais moi, je trouve que souvent, et c'était mon grand reproche au livre qui a eu tellement de succès, qui s'appelle Les Bienveillantes, sur autre chose, où les gens étaient pâmés, voilà enfin un héros de fiction, mais qui parle, on va enfin savoir le secret du mal. Ratata. Et souvent, moi je dis, les tueurs, alors vous en avez vu plus, tu l'as vu, vous en avez rencontré, M. Hatzfeldt, mais les coupables, les petits coupables que j'ai vus dans d'autres, c'est pas très, ils ne sont pas très intéressants, assez flat, comme on dit, assez plat. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Si, quand ils veulent se défendre pour des histoires de procès, là, ils ont quelque chose à dire.
mais à dire sur leur intériorité, sur ce qui leur est arrivé, etc., pas énormément. Pas énormément. T'allais chercher quelque chose. Peut-être ça te fait du bien de penser qu'ils sont très tourmentés. Oui. 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 Oui, peut-être. Mais peut-être, mais je pense qu'ils ont su éviter le tourment et bien cliver pour... Il y a le grand, celui que Gita Serini, tu sais, au cœur des ténèbres, c'était le directeur d'Auschwitz, non ? Quelle interview pendant... Alors vraiment avec un rapport très long en prison, très longtemps, il noue une vraie relation. Bon, il est sur le point de dire qu'il regrette, c'est un homme intelligent, cultivé, enfin comme les Allemands. Alors ce qui lui arrive, c'est qu'effectivement, avant le dernier entretien, il meurt d'une crise cardiaque. Est-ce que son cœur n'a pas tenu ? Est-ce que ce travail... Mais il y en a beaucoup, ils n'en meurent pas de crise cardiaque et ils sont bien protégés par une espèce de clivage. Et l'humanité, je ne sais pas si tu l'as trouvé. Oui. Si tu penses que tu l'as trouvé, alors tant mieux. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé chez eux. Mais ce qui est impressionnant aussi, qui est particulier aussi au Rwanda, c'est que cette proximité de avec les tueurs qu'on retrouve sur toutes les collines. Donc, ce sera... Le professeur, le médecin, la petite main courante, les voisins. Moi, dans ma cachette, je suis cachée dans le clocher avec mon papa. Et tous les jours, ils arrivent. Vraiment, ils viennent, mais par milliers. Et moi, quand je regarde, je reconnais les garçons avec qui j'ai été à l'école primaire. Je vois notre jardinier. Je dis, mais ce n'est pas possible. Tous impliqués. Et peut-être, est-ce que c'est parce qu'ils étaient tous impliqués qu'à un moment donné, ils ne se sentent pas... Il y a une culpabilité peut-être collective ou alors une distance parce qu'on nous a dit de faire, on a fait. Mais ça, au Rwanda, c'est terrible. Quoi. C'est pour ça la question qu'on se pose quand on lit M. Hatzfeld, c'est aussi... De savoir, enfin, au Rwanda, on dit que les collines parlent, hein, que voilà, il y a des choses qui se passent. Mais ils se protègent aussi beaucoup, et ils se sont tellement protégés entre eux. Par exemple, si quelqu'un sait très bien qu'une telle famille a été décimée et que personne d'autre ne pourra témoigner contre cette personne, c'est une personne qui est quitte, hein, qui dont personne ne saura l'histoire. Et on a des milliers d'histoires des gens qui ont tué que personne ne sait. Et personne ne peut témoigner contre. Et dans la foulée, des personnes qui ont fait ces gestes d'humanité, mais dont personne ne connaît aussi toute l'histoire. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Félicité. Si vous pouvez, je vous le conseille, qui s'appelle L'ouragan a frappé Nyando, qu'elle a apporté, oui, qui va être là-bas et qu'elle peut dédicacer. On prend 3 secondes de. On fait tout à la fin ? Bon. Pour les questions, tu veux dire ? Jusqu'à quand ? Est-ce que, oui, peut-être, ou non, peut-être tout à la fin, parce que sinon... Ah, tu préfères maintenant. Bon, et ça va être plus long. Ne te sauve pas. Est-ce que, oui ? Vous avez à plusieurs reprises parlé effectivement de l'humanité. Est-ce que telle personne, avec le masque, c'est non, mais c'est parce que c'est enregistré. Vous avez voulu mettre cette séance de témoignage sous le registre un peu de la recherche d'un peu d'humanité, mais
à chaque fois, moi, je suis extrêmement choqué par cette façon de faire. C'est la même chose autour de la Shoah. C'est la même chose, sans doute, dans beaucoup de pays du monde par rapport à des situations catastrophiques. Mais on fait comme si les Hutus en question, comme si des nazis, comme si les gens de Daesh n'étaient pas des individus à part entière, comme si ce n'étaient pas des humains. Et moi, la question qui me semble centrale, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir, à un moment donné, des valeurs qui font qu'il y a des choses qui sont insupportables dans le non-respect de l'humain à minima, et comment ces valeurs-là peuvent être transmises, comment elles peuvent faire rempart par rapport à une situation comme celle du Rwanda, dans laquelle, effectivement, comme vous l'avez très bien décrit, un parrain pouvait assassiner son filleul, un enseignant pouvait assassiner ses anciens élèves, ce qui est apparemment incompréhensible. Mais incompréhensible, ce n'est une image complètement idéalisée de l'humain, comme si, effectivement, l'humain était nécessairement, effectivement, quelqu'un de bon par essence. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Par contre, il y a des gens qui, pour des raisons peut-être générales et puis aussi individuelles, ont une espèce de carapace morale qui fait qu'ils se disent à un moment donné, ça, je ne le ferai pas, du point de vue, effectivement, du comportement anti-humain. Hein. Et qu'au contraire, il y a effectivement des choses à faire, des gens des gens à sauver, et il faut tout faire pour qu'on puisse effectivement les sauver. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous pensez effectivement de cela, sachant que ce n'est certainement pas les valeurs religieuses dans l'absolu qui ont sauvé effectivement beaucoup de Tutsis pendant le génocide du Rwanda, puisque beaucoup aussi ont été effectués par, ont été faits par des gens qui étaient pétris de religion catholique. Personnellement, si je dois vraiment répondre, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que c'est... on ne recherche pas forcément l'humanité chez ces gens. Mais en même temps, on ne va pas non plus dire que ce sont des monstres. C'est bien sûr que c'est des humains. C'est des humains qui ont tué d'autres humains. Et heureusement, d'ailleurs, quand on parle de génocide, les génocides n'arrivent pas tout le temps. On n'en a pas mille, on n'en a pas plusieurs. Mais il est quand même important d'observer ce qui se passe dans un génocide. Non, j'ai pas entendu que c'était forcément des monstres. Non, ce sont des humains. Et voilà, mais on ne comprend pas ce qui se passe pour qu'un voisin, une personne avec qui vous étiez, un malade qu'on soignait, qu'on finit par le tuer. C'est ça le déclic que peut-être ici on essaie de ne. On ne saisit pas. On ne le saisit pas et moi, je me fâcherais si on essaie d'expliquer tout. On ne peut pas tout expliquer dans un génocide et c'est pour ça que c'est infini. Et puis, je n'ai pas le sentiment non plus qu'on les a angélisés hein, non plus. Mais il me semble que ce soit vraiment très important parce que de toute façon, on est dans notre humanité. S'il y a certains qui ont tenté de faire quelque chose, on a aussi besoin de comprendre pourquoi ils l'ont fait. Et puis, on a besoin aussi de les reconnaître. Parce qu'effectivement, sinon, le monde ne saurait que le monde de monstres. Et ça serait aussi faire un clivage total aujourd'hui où tous les Hutus seraient des mauvais et tous les Tutsis des victimes. Et bien sûr, tous les Tutsis étaient des victimes. Mais il me semble que ce soit aussi important de reconnaître ces minimes gestes parce que je crois qu'on a insisté là-dessus. Il y en a très, très peu. Mais ces peu-là qui ont existé, peut-être, redonnent espoir dans la vie. Là, c'est des questions philosophiques, Mélanie, pardon, qui sont immenses, que des gens plus brillants encore que nous, sur lesquels ils discutent depuis beaucoup, beaucoup de temps, et qu'on ne résoudra sûrement pas aujourd'hui dans le peu de temps qui nous est imparti. Ce que je voulais juste dire aux messieurs, personne ne peut se mettre à la place de l'escapé et ressentir ce qu'on ressent. Nous, on explique exactement ce qui s'est passé et ce qu'on ressent envers ces personnes qui nous ont aidés. Mais en aucun cas, on diabolise ou... Non. En Kinyarwanda, on dit...
Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, chacun d'entre vous commence à se mettre à la place de nous, de rescapés, on ne pourra jamais s'en sortir. Nous, on est traumatisés à vie. On les vit tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas que le 7 où on doit se souvenir que tout ça, ça s'est passé. Au contraire, c'est tous les jours de notre vie. Donc, personne ne dit que ce sont des monstres ou quoi que ce soit, mais il faut dire quand même que pour prendre une machette, découper quelqu'un, prendre un bébé, couper à la machette ou déventrer une maman enceinte, je ne dirais pas que c'est humain. Donc, quitte à vous de trouver peut-être un terme à ça. À vous deux d'avoir témoigné et essayé d'articuler ces questions dans votre témoignage. Voilà, on va tout de suite terminer la dernière rencontre avec Glorios et Beata. On ne va pas faire de pause parce qu'il est déjà un petit peu tard. Donc voilà, on va se rasseoir tout de suite. Si vous voulez bien, Glorios et Beata, venir auprès d'Amélie et Régine. Alors, on est à notre dernier moment, mais important, avec deux personnes, Glorios Umugweneza, c'est ça, et Beata, alors là, mairesse, mais donne-moi la moitié. Oui, bon, tu l'as dit, et qui vont aussi s'atteler à cette question, puisqu'on a choisi cet angle de vue, qui est tout à fait intéressant. Alors, Glorios, en deux mots, est née en 1973. Elle avait donc 20 ans au moment du génocide, mais comme elle a tenu à le dire, les persécutions pour elle n'ont pas commencé au moment du génocide. Elles ont commencé dès 90, où elle et sa famille ont passé leur temps à passer d'un endroit à l'autre. Ont dû à chaque fois quitter, bouger. Donc, elle a beaucoup bougé avec sa famille. Au moment du génocide, elle était à Kigali chez un oncle. Oui, c'est mon oncle. Chez son oncle, dans la famille de son oncle. Et la veille du 7, donc le 6, parce qu'elle est du nord, de Biyumba, elle a été prévenue. Non, je n'ai pas été prévenue. Je suis allée voir ma famille. Elle est allée voir sa famille parce que la maman était chez les grands-parents. Donc, elle est partie le 6. Donc, le génocide l'accueillit chez les grands-parents. Et à partir de là, elle a beaucoup de choses à nous dire, dont quelque chose qui, à mon avis, est très important, dont elle va vous parler. Voilà, Glorios. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je commence maintenant. Bon, bonsoir tout le monde. Ben, merci de m'avoir invitée. D'abord, je remercie la maison de la mémoria de la Shoah qui nous accueille régulièrement et
qui nous aide vraiment concernant notre cause. Et on vous remercie infiniment. Bon, moi, je vais vous parler ma vie et celle de ma famille à partir de 90 et sur l'attaque de FPR. Bon, moi, j'étais à l'internat. J'avais 16 ans hein, à cette époque-là. J'étais à Gitarama, Remera Rukoma, pour ceux qui connaissent. Parce que chez nous, on restait à l'école, en fait. On ne pouvait pas rentrer à la maison. On rentrait que pendant les vacances. Et du coup, quand qu'on a entendu parler de l'attaque de 90 de FPR, donc, qui venait de l'Ouganda, ben, je crois que la plupart d'ici le savent. Toutes les familles et tout ont été persécutées. Commençant par, moi personnellement, mon père, il a été mis en prison, comme tous les Tutsis de cette époque-là. En fait, pour aller vite, parce qu'on n'a pas assez de temps, je vais essayer de ne pas pouvoir développer. Et mon père était instituteur. Donc, à cette époque-là, il était, il travaillait à l'inspection. Il était inspecteur de l'arrondissement. Il avait un bureau à la commune. Quand le FPR a attaqué, et tout de suite le maire, donc à l'époque on les appelait les bourgmestres, l'a chassé dans sa commune parce qu'il ne voulait pas donc tout de suite on l'a surnommé, donc c'est comme un traître ou un espion de FPR, sauf qu'à cette époque-là on ne connaissait même pas FPR, on n'avait jamais entendu parler. Bon, en tout cas il a été chassé. On lui a dit de ne plus revenir, en fait, parce qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Cela n'a pas duré longtemps. Deux ou trois jours après, les voisins, tout le monde, déjà, ils ont attaqué à la maison, ils ont saccagé, ils ont volé tout. Bon, on n'avait rien. Hein. Enfin, on n'était pas vraiment des riches. Mais dans la campagne, un instituteur, avec ma mère qui était commerçante, qui fabriquait la bière traditionnelle. Ça rapportait d'ailleurs beaucoup d'argent, plus que les instituteurs. Bon, quand même, comme on habitait dans la campagne, on avait des champs, on avait des récoltes. En fait, on était des riches de la campagne. Les gens et les voisins hein, qui travaillaient chez nous, ils sont venus, ils ont volé tout. Et au début, c'était juste volé. Et quelques jours qui ont suivi, ils ont commencé à menacer, à nous tuer. Et là, à ce moment-là, ils ont décidé de quitter la maison. Bon, les premiers jours, quand même, il laissait la lumière allumée. Chez nous, on allumait les lampes à pétrole. Ça veut dire qu'il fallait acheter beaucoup de pétrole. On laissait les lampes allumées. Et puis, on allait dormir dans les champs. Enfin, moi, j'étais pas là, j'étais à l'internat. Et pour montrer aux gens qu'on était là, en fait. Cela n'a pas duré longtemps. Ils ont commencé à attaquer à la maison. Et mon père, tout de suite, l'a été, en fait, mis en prison de la commune de Kiombe, pour ceux qui connaissent. Et donc, mon père, avec mon petit frère, qui avait 8 ans à l'époque, donc c'est mon petit frère à moi, ils ont été mis en prison parce que mon frère, il était en fait un garçon très grand, avec des cheveux un peu comme des kerlés. Les gens disaient que ce n'était pas un Rwandais. Donc, pour eux, c'était Ikimanuka. Il est tombé du ciel. C'est comme ça qu'à cette époque-là, on avait droit à tout, en fait. Et du coup, mon père a été en prison avec mon frère. Non, mon frère, c'était après, donc en prison à la commune. Et du coup, ma mère a commencé à se cacher chez les voisins Hutus. Hein. Je peux ajouter aussi un truc, c'est qu'à Byumba, il n'y avait pas beaucoup de Tutsis. Déjà, dans ma commune Kiombe Mukarange, on n'était que trois familles qui étaient connues. Et les trois, ils étaient déjà les instituteurs à l'école de Rushaki. À ce moment-là, donc, mon père a été emprisonné à la commune. Il n'est pas resté... Donc, tous les soirs, les gendarmes qui le gardaient lui disaient qu'ils allaient le tuer. Donc, il y avait un jour à laquelle ils prévoyaient de le tuer. Et le jour où mon père attendait, on ne le tuait pas. Et le lendemain, il revenait. Et comme il avait un peu d'argent sur lui... Il fumait beaucoup et chaque fois, il avait de l'argent pour demander à un surveillant de lui acheter la bière. Et chaque fois qu'il achetait la bière pour lui, il achetait aussi pour le surveillant.
Donc, il partageait malgré qu'il allait se faire tuer. Bon, c'est une longue histoire. Je vais aller vite. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, à la commune, au bout des moments, en fait, il n'est pas resté longtemps. Sachez que notre région, c'est là où le FPR a commencé. Parce que nous, on était à la frontière de l'Ouganda, pour ceux qui connaissent. Et comme il y avait en même temps des bombardements, des tirs, il y avait une population qui commençait à fuir. Ils ont fini par laisser mon père partir. Et mon père, entre-temps, ma mère était déjà partie avec mes frères et sœurs. Ils sont partis entre les voisins. Des fois, il y avait ceux qui les acceptaient. Ils dormaient une nuit. Et après, ils changeaient un autre endroit. Des fois, ils se faisaient refuser. Ils disaient, si on vous garde chez nous, on va se faire tuer aussi, ce qui était vrai. Bon, et ma mère a fini par prendre une décision. Elle est partie chez ses parents. C'était, pour ceux qui connaissent, bon, chez nous, il n'y avait pas de voiture. Et il fallait marcher à pied. Donc, elle a marché 5 heures à pied. À cette époque-là, elle était enceinte. Par contre, il y avait des voisins qui étaient gentils. Et comme il avait un bébé, une de mes petits frères qui avait encore 2 ans, et comme elle était enceinte encore, pour faire 5 heures à pied avec des enfants, chez nous, on était une grande famille, enfin, nous, on a eu la chance aussi d'en avoir encore. À cette époque-là, ils étaient petits. Ce n'était pas facile pour elle. Et du coup, une des familles lui a donné un garçon pour porter un petit. Et puis, ma mère est partie jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Arrivée chez elle, c'était plus possible à cette époque-là. Les familles étaient interdites de recevoir quelqu'un. Si on recevait une famille, il fallait aller à la commune, prévenir qu'on a quelqu'un. Et c'est ce que ma mère, quand elle est arrivée chez elle, ses frères ont commencé à avoir peur. Et nous-mêmes, on ne sait pas où aller. Tu viens avec tous ces enfants. Comment on va faire ? Nous aussi, on ne sait pas quoi faire. Et du coup, ma mère commence à se chamailler avec ses frères en disant, déjà, là où j'ai la famille, enfin, la région de mon mari ne veut pas de moi. Maintenant, même chez ma propre famille, ils ne veulent pas de moi. Et là, elle a dit, non, ce n'est pas possible. Elle-même, elle est partie le lendemain, donc, elle est partie à la commune de Rotaré, sachant que le maire, donc le bourgmestre de cette commune, c'était vraiment un interamoi. À l'époque, les interamois, ce n'était pas encore le nom. Bon, il n'aimait pas les Tutsis. Bon, ma mère est partie avec ses enfants en disant, écoutez, moi, je me suis mariée à Kiombe. Donc, mon mari a été emprisonné. Moi, on m'a chassée chez moi avec mes enfants. Ils me font un refuge. Mes frères ne veulent pas de moi. Ils me font un refuge. J'ai besoin d'autorisation d'habiter chez mes parents, avec mes frères, et j'ai besoin aussi d'autorisation pour que mes enfants soient scolarisés. Et sinon, je ne quitte pas ici. Bon, le maire a fini par l'autoriser, et du coup, elle a été acceptée chez ses parents, et aussi et les écoles. Elle a pu scolariser les écoles par rapport à leur âge. Et ça, c'est toujours à 90. Entre-temps, mon père, il a été sorti en prison, donc à ma commune. Il fallait aussi quitter. Non, quand il est sorti à la commune, on lui a donné. Comment on perd quand on n'a pas le droit de quitter la résidence? Voilà. Donc, mon père, donc, on l'a sorti de la prison de Kiombe, mais il fallait qu'il reste chez nous, alors que ma mère est partie. Bon, il est resté là, sauf que c'était pas aussi plus possible. Entre-temps, il a fini par quitter, même s'il n'avait pas droit d'y rester. Il est parti, mais bien sûr en se cachant. Mais entre-temps, le petit frère, il y avait le frère que je vous ai parlé, était resté aussi dans les familles parce que ma mère, en partant, il ne l'avait pas vu. Il a fini par retrouver mon père. Donc, ils sont partis ensemble et jusqu'à la commune de Kinyami. Ben là où il partait, arrivait à l'issue des barrières et il donnait de l'argent. Il a continué jusqu'à ce qu'il n'avait plus d'argent. Arrivé à Kinyami, il a été encore mis en prison de Kinyami. Kinyami, c'est une autre commune frontalière de Kiombe. Et là, il ne pouvait pas rester longtemps parce que
il fallait le conduire à la prison centrale, donc de Biomba. Il est arrivé à Biomba avec mon petit frère. En fait, quand ils sont Biomba, c'est la prison centrale. Là, donc, où il y avait plein de monde, les gens qui venaient dans la région de Lomotala, tout type de Biomba. Et pour lui, c'était une fête parce qu'il ne se sentait pas seul, en fait. Donc, ils étaient nombreux. Et ceux qui étaient malheureux, c'est qu'il fallait les battre tous les matins, y compris mon petit frère qui avait 8 ans à l'époque. Et en même temps, ils n'avaient pas mangé, et sauf celui qui avait une chaussure fermée. Donc, mon frère, quand il est parti, donc, quand lui, il n'avait pas de chaussures fermées à cette époque-là. Mon père, il avait des chaussures fermées. Donc, quand ils allaient chercher à manger, il fallait donner une chaussure à mon frère et puis garder une autre chaussure pour qu'il puisse les mettre à manger dedans. Bon. Alors, on donnait à manger dans la chaussure ? Oui. D'accord. À la prison de Biomba, la prison centrale. Glorieuse, je vais être obligée de... Parce que on a un quart d'heure, donc, or comme il y a des choses que dont vous voulez parler, je vais aller vite. C'est une mission difficile, mais je suis obligée de vous demander de choisir. Non, pas de vous dépêcher, de choisir. Alors, pour choisir, je vais aller directement à 94. 94, justement, comme vous l'avez évoqué, je vivais chez mon oncle, qui était à Kigali. Parce que, comme je vous avais dit, chez nous, ça n'existait plus. Quand je rentrais des vacances, on ne pouvait plus accéder chez nous. Ben, je suis obligée de sauter une étape longue. Et du coup, arrivé chez mes grands-parents, où mes parents ils étaient aussi, ça, c'était le 6 avril. Le 7 avril, l'avion a été abattu, en fait, le 6 avril. Mais le 7 avril... Celui qui n'avait pas écouté la radio, il n'a pas su que l'avion a été abattu. Nous, chez nous, on l'a su le 8 avril, parce qu'ils ont commencé à brûler les maisons, à tuer les vaches de Tutsi. À ce moment-là, on a commencé à partir, en fait. Les grands-parents qui avaient été réfugiés en 59, ils étaient déjà au courant du problème. Tout de suite, ils nous ont fait à manger, ils ont commencé à nous préparer, comme quoi on allait partir. Allez, on est partis, tous dans la foule, et je saute des choses. Et les gens ne savaient pas où aller. Et donc, on est partis à la commune de Rotaré, où ils étaient censés nous protéger. Il y avait tellement de monde. Moi, avec un de mes petits frères qui était en vacances, on s'est dit, mais nous, on ne va pas rester avec ce peuple qui ne se décide pas. On ne sait pas comment faire. Et on a dit à ma mère qu'on partait. Et tout de suite, ma mère nous a distribué un peu d'argent qu'il avait. Et puis, on lui a dit qu'on allait... nous, on allait voir, en fait, une de mes copines qui était à la même école que moi, à Guitarama. Son père avait une voiture. On s'est dit, on va aller chez cette fille. Son père nous conduira à Kigali. Sauf qu'on ne savait pas que Kigali, c'était catastrophique. Bon, arrivé chez cette fille, ma copine, on nous apprend que les gendarmes ont déjà saccagé chez elle. Donc, ils avaient attaqué chez elle. Ils étaient aussi réfugiés. Et son père, qui s'était mis dans un... Où vous voulez, donc c'est comme une pirogue. En fait, c'est un outil qu'on utilise pour fabriquer la bière traditionnelle, Uruguagua. Il avait mis les bananiers, donc son père a été sauvé comme ça. Et je tombe sur un pasteur, donc qui m'a sauvé. C'est là où je vais arriver. Mais entre-temps, il y a plein de choses que je n'ai pas racontées. Le pasteur nous voit... Le pasteur, pour vous donner un rappel, c'était aussi notre ancien voisin de 90 dans la région de Biomba. Ça veut dire que lui, il a fui les combats de FPR, donc il s'est retrouvé à Rotaré. Et comme c'était un pasteur protestant, et le monsieur aussi que je vous parle, qui était riche, qui avait une voiture, était protestant, il s'était installé pas loin de chez lui. Arrivé là-bas, il nous voit, il dit « Eh, vous êtes les enfants de Moïse. » Moïse, c'est mon père. Il dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» On n'ose pas lui dire que chez nous, ils ont brûlé les maisons. On n'ose pas, mais sauf que lui, il le sait déjà. Il dit « Mais vous savez quoi? Vous allez où ?» On lui dit « On va chez Rupia, donc le riche, parce que sa fille était dans la même classe que moi. On va voir sa fille. » Il dit « Ah non, il ne faut pas y aller. Les gendarmes, ils ont déjà attaqué chez eux. Je vous conseille de venir chez moi. » Je dis « Bon, on va chez eux. » Il était avec sa femme et sa fille. Il nous connaissait déjà. Donc, il commence à nous demander des nouvelles, tout et tout.
Il dit, vous savez quoi, aujourd'hui, ce n'est pas très, très bien du tout. Vous n'avez pas le droit de quitter ici. Maintenant, vous allez rester avec nous parce que vous risquez de mourir. Bon. On fait comme si on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Mais bon, on reste quand même. On passe la nuit. Le soir, il faut manger. On mange, on discute. En fait, on ne parle pas de la guerre. On parle de l'histoire de chez nous, de l'époque. Et vers la fin, donc, ça veut dire qu'eux, comme ils sortent, ils ont plein d'infos, ils savent qui est mort, qui n'est pas mort. Très tôt le matin, le lendemain, ils nous réveillent très tôt, genre 5 heures du matin. Ils nous disent maintenant, vous allez aller dans le sorgho. Il y avait des champs de sorgho. Vous allez rester dedans parce que s'ils apprennent que vous êtes ici, ils vont vous tuer et nous-mêmes, on va vous nous tuer. On va dans le sorgho. Et donc, c'est trop tôt. C'est mouillé partout, il y a la pluie qui tombe et tout ça, mais on reste quand même dedans. Vers 9h, on voit sa fille qui nous a porté le bouilli. Bon, il nous donne le bouilli, on boit, mais on reste dedans. Midi, il nous apporte à manger. Et ça a duré genre 5 jours, comme ça. Mais le soir, vers 22h, il venait nous chercher. Ce que je peux ajouter, j'étais avec mon frère. Et puis, il y avait aussi la fille que je vous ai parlé, que j'étais partie voir. Elle a fini par nous rejoindre. Et cela, on est resté genre 5 jours. Et les bombardements, ils étaient intenses. Donc, des FPR qui se battaient avec les gendarmes qui étaient à la commune où mes parents ils étaient réfugiés. Bon, là, j'ai sauté les étapes. Vers la fin, on a eu peur des tirs. Mon frère, lui, il est parti. Donc, c'était tellement des bombes qui tombaient un peu partout. Il a couru, il est parti, donc il m'a laissé là-bas. Et la fille qui était avec moi aussi, il a couru, il a vu ses parents. Moi, je suis restée avec la famille du pasteur et qui s'appelait Seduraka. Et comme j'étais restée seule, il me dit, maintenant, tu vas rester avec nous, tu n'as pas où aller, parce que de toute façon, toi, vis comme tu es, on va te tuer. Maintenant, je suis d'origine du Nord, et j'avais eu la chance de parler le dialecte. Donc, c'est une langue qui est pratiquée entre le peuple rwandais qui habite à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Ils m'ont dit, maintenant, tu ne vas plus parler le Kinyarwanda. On va montrer à tout le monde que tu n'es pas rwandaise. Tu es venue de l'Ouganda, tu es venue nous voir. Moi, je suis ton oncle, toi, tu es ma nièce. Au moment où il y a eu les combats, tu étais venue en vacances. Maintenant, tu es chez nous. Tu n'as pas le droit de parler. Ils m'ont fait porter les pagnes de pape Rwanda. C'était une tenue aussi qui était respectueuse pour les pro-gouvernements. Et puis aussi, on avait des pagnes de Interahamwe. Et moi, je portais ça partout, des fois comme une musulmane. Et je restais avec eux. On allait partout où ils allaient, donc par rapport au combat. Et je suis restée avec eux. Vraiment, ils ont été très sympas avec moi. Et ils m'empêchaient d'aller épuiser de l'eau parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un me touche. Je restais avec eux. Tout ce que je faisais, je cuisinais. Et vers la fin, mon frère qui est parti, et l'information passait vite. Il savait que les gens qui étaient dans telle région, ils se sont réfugiés dans telle région. Et jusqu'à ce que mon frère a fini par retrouver mes parents, il a dit où il m'a laissé. Ils se sont renseignés. Ils ont vu où j'étais. Ils sont venus me chercher. Entre-temps, on s'est réfugié dans la commune de Giti, une des communes qui n'a pas fait le génocide au Rwanda. On est resté dans cette commune jusqu'à ce que les FPR aient arrivé. Et quand ils sont arrivés, donc ils nous ont récupérés. Et chaque fois où ils allaient, on partait avec eux dans les combats. Ils nous ont amenés de Giti, ils nous ont amenés de Gasabo. Par contre, il y a un truc que je vais vous dire. Il nous a fait traverser Mouazi. Pour ceux qui connaissent, de Giti pour entrer à Gasabo, il y a une rivière, donc un lac qui s'appelle Mouazi. Je ne sais pas, cette image est partie. Je ne sais pas comment j'ai traversé. Et du coup, c'est en arrivant à Gasabo qu'on a commencé à trouver les cadavres. On marchait dessus, on les poussait. C'était la nuit. Et quand ils ont sécurisé la région de Rutare, ils nous ont ramenés à Rwesero. Rwesero, c'est un petit séminaire. Ils ont tout cassé, ils nous ont donné à manger. Ils sont partis, ils nous ont installés. Après, quand ils partaient, ils nous laissaient au moins 2 militaires de FPR. Il y avait au moins 1000 personnes ou plus. Je n'avais pas l'idée de cette époque-là. Et là,
deux ou trois semaines après, on a ouvert un orphelinat, on a commencé à ramasser des enfants, on s'est occupé des enfants jusqu'à ce que la prise de Kigali. J'ai essayé de raccourcir parce que, voilà. En gros, je suis vivante grâce à ce pasteur. Merci. On vous a demandé un effort terrible. Je suis désolée d'avoir eu à le faire. Mais merci d'autant plus que je voulais quand même souligner, je ne sais pas ce que tu en penses, Amélie, que votre histoire, même racontée de façon parcellaire autour de ce sauvetage par ce pasteur, et peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été dit de l'ambiguïté qui règne autour des bons et des mauvais et des pas tout à fait mauvais et de ceux qui ont sauvé mais qui peut-être ont fait d'autres choses aussi, qui ont sauvé et tué, on entend beaucoup. Celui-là, semble-t-il, cette famille, on pourrait dire que c'est presque réconfortant parce qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté, ça a l'air assez clair, ils vous ont sauvé... pas une demi-nuit, pas une demi-journée, mais ils ont vraiment organisé des choses, choses que d'autres n'ont pas eu le temps de faire. C'est vrai que c'était tellement chaotique. Je pense que peut-être pour nous, on a besoin aussi d'entendre une histoire moins ambiguë, je ne sais pas. Moi, je dois dire que dans toute cette ambiguïté du chaos, du mal, du bien, où c'est pas... Bon, il y a vraiment clairement des tueurs, ça, c'est pas... Mais que même les sauveteurs, on a entendu... cette dame, la dame, peut-être que son mari ou elle, ils ont donné des renseignements concernant votre beau-frère. Félicité aussi a dit, puisqu'elle a appris que Stéphane avait fait des choses, qu'il avait fait d'autres choses, alors il en avait sauvé, mais il a prélevé. Pas tout à fait pur et désintéressé. Et là, on entend quelque chose. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'était quand même assez clair? Vous l'avez revu? Je l'ai revu parce que quand j'ai eu mes parents et après la guerre, il fallait que j'aille le remercier parce que je suis allée le voir. Après la guerre, ils sont retournés chez nous. Chez nous, où nous sommes nés. Hein. La chose que ma mère n'a pas voulu parce qu'ils ne voulaient pas retourner. Et moi, je suis allée le voir et le remercier. Je lui ai dit que c'était mon deuxième père. Moi, je trouve que c'était sincère ce qu'il a fait. Après, peut-être qu'il n'avait pas un couteau sur lui pour des menaces, peut-être pour risquer sa vie. Mais moi, je pense qu'il a fait de bonheur parce qu'il pouvait me laisser. Du coup... Un couteau, puisqu'il vous a dit aller dans les sorgots, parce que si vous restez trop chez nous, on va être tué. Oui. Oui, en fait, ce que je voulais dire là, c'est que vu qu'il est, c'était un réfugié depuis 90, lui, en tant que pasteur, quand même, il a continué à prêcher la bonne parole de Dieu. Je pense qu'il n'a pas été dans les groupes qui sensibilisait à tuer des Tutsis ou qui s'aimait la haine. Moi, je dirais qu'il était sincère. On a vu que l'Église n'a pas été formidable quand on lit le livre dont Félicité n'a pas eu le temps de nous raconter, mais au petit séminaire où son père enseignait, les ecclésiastiques ont été complices, voire génocidaires par procuration directement. Donc, je ne sais pas, peut-être que j'ai envie de me consoler. Peut-être que j'ai envie de croire en un geste d'humanité, un vrai. Mais il y a tout, quand vous dites... Quoi ? Il y en a eu. Mais il y en a eu, tout à fait. Mais ce que je disais, c'est que là, ils sont morts, de même que beaucoup de... Oui, il y en a eu. Bon, c'est vrai, ce n'est pas beaucoup par rapport quand même à ce qui s'est passé, mais il y en a eu. Parce que là, je n'ai pas eu le temps de parler, j'ai parlé que moi, je n'ai pas eu le temps de parler le reste de ma famille. Et eux aussi se sont réfugiés d'abord à la commune. Un gendarme qui était censé aller tuer à 1h du matin, qui faisait partie de l'équipe qui allait les tuer, ils étaient 200. Déjà, un gendarme
qui était croyant, il est venu, il les a dit, vous savez quoi, on a l'ordre de vous tuer. Et après, ils ont quitté la commune pour aller à l'église de Guiti. Bon, ils ne sont pas restés longtemps, mais quand même, ils ont pu passer 2 jours sur place, mais sachant aussi que c'est quand même la commune qui n'a pas sensibilisé pour la tuerie. Ça aussi, il faut l'ajouter. Donc, on a eu cette chance. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas eu. Ce que je dis, c'est que dans une situation qui est par essence ambiguë, il y a beaucoup de situations ambiguës. Et là, on va voir ce que Beata a à dire là-dessus. Tu présentes Beata ou je la présente? Bon, Beata, elle a voulu qu'on la présente très simplement. Rescapée, écrivaine, travaille sur des tas de choses et qui va nous parler, qui a envie de nous parler plus du rôle de Terre des Hommes, c'est ça? Dans le sauvetage, c'est ça? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci à celles et ceux qui ont sacrifié leur dimanche après-midi et puis qui sont restés jusqu'à cette heure-ci. Je vais essayer de faire très très bref parce que il nous reste très peu de temps et je pense que c'est parfois aussi des situations comme celle-là qui peuvent amener les gens à écrire parce que le cadre du témoignage peut être extrêmement contraignant comme tu viens de l'avoir et que ça c'est difficile. Mais on demande beaucoup de choses aux rescapés. On demande beaucoup de choses aux rescapés. De pardonner, de remercier, de parler, de témoigner, de se taire, de reparler, de se taire. Oui, moi je vais vous parler d'une expérience très particulière, mais à travers elle, c'est aussi tout ce qu'on a pu dire sur la question de la temporalité, de dire tiens, il a fallu tellement d'années pour que vous commenciez à... voilà. Moi, je suis née, j'ai grandi à Boutaré, qui s'appelle Ouillé maintenant, qui est la deuxième ville du Rwanda, c'était la ville universitaire. Et j'habitais au centre-ville avec ma maman. Et Boutaré et la préfecture, à l'époque on parlait de préfecture, c'était une préfecture plutôt modérée, comme on disait, du sud, avec le seul préfet Tutsi et des gens qui n'étaient pas prêts à rentrer dans le génocide. Donc la première chose a été, les génocidaires se disaient comment on va faire rentrer Boutaré dans l'extermination. Ils ont commencé en créant un gouvernement intérimaire, le gouvernement génocidaire, le président, le premier ministre, plusieurs ministres étaient originaires de Boutaré. Mais Boutaré ne se mettait pas à tuer. Donc il a fallu que le président Théodore Sindi Kubwabu vienne le 19 avril à Boutaré pour faire un fameux discours très ambigu avec cette façon qu'on a en Kinyarwanda de dire les choses sans les dire, mais qu'en disant maintenant, allez, Boutaré, il faut se mettre à tuer. Donc le génocide a commencé le 20 avril. Et donc moi, j'habitais avec ma maman dans un appartement en plein centre-ville, en face du Centre culturel français où j'ai passé beaucoup d'heures à lire quand j'étais jeune et qui était rattaché cet appartement à un complexe hôtelier qui datait de l'époque coloniale. Je dis cela parce que donc je vais aller très très vite sur on a cherché à se cacher, à partir, on s'est confronté à des portes qui se fermaient, à des regards qui se retournaient pour ne pas nous voir. Il y a eu ce convoi des Occidentaux, de tous les étrangers de Boutaré qui étaient vraiment devant chez nous dans la grande rue avec les casques bleus qui les évacuaient et tout le monde regardait ailleurs pour ne pas nous voir. Je passe sur tout ça. Il se fait qu'à un moment donné, on est caché dans ce complexe hôtelier et notamment plusieurs endroits différents par les gens qui travaillaient là. Puisque la patronne et sa famille étaient partis, qui étaient des Hutus. Il y avait un Tutsi qui avait le cuisinier de l'hôtel, qui avait une carte d'identité Hutu. C'est lui qui nous a nourris pendant tout le génocide, Karori. Un homme merveilleux. Il n'est pas retourné sur sa colline, parce que sur sa colline, on savait qu'il était Tutsi. Donc il est resté à l'intérieur. Quand on le contrôlait, il montrait sa carte d'identité Hutu.
Il a été tué vers la fin du génocide, finalement, après qu'on soit parti. Cet homme a cherché chaque jour une façon de nous nourrir, même chichement, mais voilà. C'est aussi important de dire qu'il y a eu des gestes d'humanité entre nous, de gens qui étaient menacés, mais qui nous protégeaient aussi. Et donc les autres Hutus, il y en avait deux en fait, qui étaient des faux Hutus, comme on dit, mais les autres étaient des Hutus qui travaillaient là, un Zamu et son fils qui était jardinier. Et il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur, je ne sais pas, mais on ne rappelle pas le temps, est-ce que ça a été trop rapide pour que les gens s'organisent? Moi, j'ai eu l'impression que ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient fatigués à un moment donné de nous cacher. Je pense que c'est ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais ils nous ont cachés, on était plusieurs, il y avait d'autres employés Tutsi de l'hôtel, dans plusieurs endroits. On a été beaucoup cachés dans une cave. C'est quelque chose que les Rwandais ne connaissaient pas, les caves. C'est pour ça que je dis que ça datait de l'époque coloniale. Et d'ailleurs, cette cave n'avait pratiquement pas été ouverte depuis des décennies, ce qui fait que les murs étaient couverts de cafards et suintés d'humidité, et qu'à un moment donné, on a dû sortir parce que je n'arrivais plus à respirer. J'avais des problèmes de respiration, enfin voilà. Voilà. Mais à un moment donné, on pense que ces gens qui nous tuaient, parce qu'un jour, ils sont rentrés, le fils est venu, et on a vu qu'il avait les yeux rouges. Quand les gens qui te tuaient revenaient un jour avec les yeux rouges tomates, comme tu dis, là, il a basculé. Il est passé sur une barrière parce que ce n'était plus la même personne et tu le voyais. Tu commençais à avoir peur en disant, OK, à quel moment est-ce que moi-même, il va me livrer? Donc un jour, Itero, le tueur, est arrivé. On tuait des gens, de jeunes qui étaient cachés dans une autre cave. Et puis, nous, on n'était plus dans la cave, on était dans une autre pièce avec une femme qui s'était retrouvée là en fuite. Et ils ont cassé les carreaux. Et la première exclamation, c'est de dire « Harumuzungu, il y a une blanche », parce que moi, je suis métisse. Et que donc, ça ne faisait pas partie de... Voilà, ils ne comprenaient pas. Et du haut de mes 15 ans, j'ai eu cette... c'est l'instinct de survie. J'ai basculé, j'ai fait une sorte de... Je leur ai dit que mon père était français, ce qui n'est pas vrai, qu'on avait tous vu la photo de Mitterrand à l'arrière de Kangoura. Donc on savait que c'était... Donc je me suis retrouvée à leur dire, mais alors, c'était vraiment des tueurs couverts de sang, enfin voilà. Et il y avait parmi eux, par contre, un étudiant de l'université. Donc, et ça a été mon interlocuteur parce que j'ai prétendu ne plus parler Kinyarwanda complètement. Ce que tu disais sur la langue, ces langues qui peuvent nous sauver, et toi qui parlais Gihima, je crois, du coup. Yitiga, oui. Donc moi, j'ai parlé français et j'ai une assurance dont je ne sais pas... d'où elle pouvait me venir en disant mais vous comprenez, si vous me tuez, si vous nous tuez, Mitterrand va être, ne sera plus votre ami, il sera fâché. Non, mais c'est un truc complètement dingue. Et ça a marché. C'est-à-dire que là, il avait en face de lui une interlocutrice française. Et bon, je passe. On se retrouve dans une autre cachette. Mais entre-temps, moi, j'ai passé une nuit à l'évêché parce qu'on ne savait pas quoi faire de moi. Donc, on a été séparés. Et puis, le lendemain, on s'est retrouvés avec ma mère. Mais... quelqu'un m'a emmenée. Et là, il y avait quelqu'un qui... j'entendais, j'étais cachée sous un lit, chez une Allemande qui habitait là, une Mkogwa, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'entends quelqu'un qui passe et qui était quelqu'un qui était... qui allait là où il y avait des gens Tutsi pour les ravitailler, pour les aider. Et c'était un monsieur qui s'appelait Laurien Ziman, hein, et qui était le frère de la sœur Félicité dont tu as parlé dans chez toi. Donc c'est aussi de dire, voilà, dans deux préfectures différentes, un frère et une sœur ont été vraiment des gens qui se sont comportés, tu vois, sud, nord, mais c'est les mêmes, en fait, c'est la même, enfin, c'est vraiment la sœur, donc la sœur a été tuée, lui n'a pas été tué, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup aidé. Et là, il va dire,
Et ensuite, je me retrouve dans une école. C'était une école secondaire, mais qui avait été transformée en lieu un peu de refuge, comme ça. Parce que la première dame, Agathe Kanziga, avait un orphelinat, comme le genre de truc que les premières dames ont des orphelinats. Et quand il y a eu les combats à Kigali, l'orphelinat a été transféré à Boutaré. Et il était soutenu par la Croix-Rouge belge. Donc, c'était un havre comme ça, avec des orphelins. On se dit que dans l'orphelinat de la première dame, il ne devait pas y avoir beaucoup de Tutsis, vu l'extrémisme, je ne sais pas. En tout cas, il y avait cet orphelinat, mais du coup, ça a créé un endroit qui était un peu protégé. Et qui était protégé, et du coup, qui avait été repéré parce que les gens qui ramassaient un enfant Tutsi ou à qui on avait ramené un enfant Tutsi dans Boutaré et qui ne pouvait pas le garder, l'amenait à cet endroit. Donc c'est devenu un gathering point, un point où on savait qu'il était protégé parce qu'il y avait, c'était l'orphelinat de la première dame, il y avait la Croix-Rouge, etc. Mais en plus de ce groupe d'enfants venus de Kigali, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres enfants Tutsi là, pour le coup. Et donc, on s'est retrouvés là. Et est arrivée une association, une ONG suisse qui s'appelle Terre des Hommes. Et c'est de eux dont je voudrais vous parler. Qui a organisé des convois pour faire partir des centaines d'enfants de l'école sociale de Karuvanda ou même d'autres endroits comme ça, de petits havres absolument improbables, pour les emmener de l'autre côté de la frontière. Ils avaient réussi à signer une convention avec le gouvernement rwandais, le ministère des Affaires sociales, en disant, il y a des enfants, mais je pense qu'ils ont dû jouer sur cette idée que c'était, il y avait des orphelins, l'orphelinat de la première dame, que ces enfants ne pouvaient pas rester dans cette situation de guerre, en disant, on va les emmener chez vos amis au Zaïre, puisque le Congo, qui s'appelait alors Zaïre, était très ami avec... Mobutu et Habyarimana étaient amis. Mais à partir de cette convention, plein d'enfants Tutsis ont pu être sauvés. Et c'est comme ça que nous avons pu passer la frontière le 18 juin. Ça faisait 27 ans il y a deux jours. Ma mère et moi étions grandes, adultes. Enfin, moi, j'avais 18-15 ans, elle était adulte. C'était plutôt les petits-enfants qui avaient accepté. Donc, nous, on s'est glissés au fond d'un camion avec des tissus au-dessus de nous, cachés, avec les enfants qui étaient assis au-dessus de nous. Et au checkpoint, on demandait aux enfants de se lever pour pas qu'ils nous repèrent jusqu'à la frontière à Kanyaru, haut, avec le Burundi. Voilà. On arrive au Burundi, ensuite en France. Des gens nous disent, on vous a vu à la BBC en train de traverser la frontière. J'imprime ça, mais le temps était le temps de la survie, le temps de la reconstruction, etc. Des années après, j'en parle à mon mari. Et j'ai dit, il y a des gens qui nous ont vus à la BBC, pareil. Et lui, qui a ce recul, c'est pas son histoire, etc., bon, me dit, mais tu devrais essayer de retrouver ces images. Alors, il prend les choses en main. Il écrit à la BBC, vraiment au hasard, en disant bah, « Mon épouse et sa mère ont passé la frontière dans un convoi de Terre des Hommes le 18 juin. Il paraît qu'il y a des images. Est-ce que vous pourriez nous mettre en lien avec les journalistes qui étaient... » Parce que j'avais vu qu'il y avait des caméras, mais enfin, on était juste tellement tremblants de peur et avec l'idée de... J'essaie d'aller vite. Et on rencontre... Ces journalistes, on rencontre un, Fergal Keane, et le producteur, David, je ne sais plus quoi. On profite d'un voyage à Londres et je lui dis, est-ce que, voilà, vous savez des images c'était passé au journal télévisé, lui, il avait le documentaire. Là. Quelques mois plus tard, donc je me dis, chou blanc, on reçoit un mail d'un journaliste qui faisait partie de cette équipe de la BBC, qui lui était sud-africain, qui était en Afrique du Sud, et qui dit, j'ai reçu votre message en retard, etc. Je voulais juste vous dire que j'ai des photos de ce convoi. Il m'envoie 4 photos, Hamilton Wendy. Je vois les photos, il y a les enfants, il y a des...
et je vois l'endroit où on est, c'est-à-dire que je ne nous vois pas, mais je vois très bien l'endroit où c'est très étrange, dans le coin, au fond, à droite du camion, où il y a un tissu, où il y a des ombres, des choses, et pourquoi il n'y a personne là, et je sais qu'on est là. Voilà, je garde ces photos, point. Il y a 2 ans, je vais à Nice, dans un lycée où Félicité et moi allions souvent, le lycée Thierry Monnier de Nice, qui fait un travail important autour des génocides, Régine aussi, on est... Et un soir, il y a une pièce de théâtre jouée sur le génocide des Tutsis avec 2 survivants. Et à la fin de la pièce, au moment du bord de scène, un des jeunes, jeune homme, dit « J'ai quitté le Rwanda avec un convoi de terre des hommes. » Et là, de battre mon cœur s'est arrêté parce que j'avais mis ces photos dans un tiroir. Et là, je me dis « Mais si ça tombe, c'est un des enfants des photos. » Et moi, j'ai gardé ces photos pour moi toute seule toutes ces années. Mais ça prend ce temps-là, comme on dit. Okay, ça prend ça. Alors, je vais le voir, toute tremblante. Je lui dis, mais tu sais, moi aussi, j'étais dans un convoi Terre des Hommes. Elle, tu te souviens? Il me dit, j'avais 4 ans. Parce que moi, je savais, 18 juin, etc. Ben, je vais demander à mon cousin. Il me recontacte après, Rodrigue. Il me dit, non, en fait, moi, j'étais dans le convoi de juillet. Et je connaissais des amis qui, elles, sont parties dans le convoi de juillet. On en avait parlé, Claire, Annick, Alice. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais de ces photos avec tous ces enfants-là? C'est un moment, c'est le moment où on devient survivant, le moment où on passe la frontière. Alors, je ne sais pas si c'est que... voilà, moi, j'étais en tout cas arrivée à ce moment-là dans ma réflexion autour de l'importance des traces, de l'importance, parce que j'ai lu aussi peut-être beaucoup de choses sur la Shoah, je ne sais pas, mais et je lis un livre d'un écrivain allemand, W.G. Sebald, qui s'appelle Austerlitz, où il y a une histoire d'un jeune juif qui est à Londres, et il écoute à la radio, et il entend des gens qui témoignent en disant « Je suis partie avec un convoi qui emmenait les enfants à l'été 39, depuis Prague jusqu'à Londres. » Et c'est un truc qu'il avait complètement occulté. Et là, il se dit « Mais oui, en fait, j'étais aussi dans ces convois. » Et tout le livre, je ne sais pas si vous voyez un peu Sebald, c'est avec ses traces, ses photos, cette importance-là. Et donc, je me dis, alors arrive le Covid, le confinement, on a tous réfléchi à qu'est-ce qu'on fait là. Et là, je me dis, en fait, il faut que je trouve ces enfants, que je retrouve une liste et que je ramène ces 4 misérables photos. Et il se fait que, donc, sortie du confinement, je contacte Terre des Hommes. Mais à ce moment-là, je cherchais les enfants. Terre des Hommes me dit, les archives sont dans le canton de Vaud, on va les voir, non, mais en fait, on n'a rien pour vous, mais il y a quelqu'un qui travaille encore chez nous, qui était au Rwanda en 94, je lui parle, la dame me dit, j'ai été évacuée au début, mais le monsieur qui était en charge des convois est encore en vie. Il s'appelle Alexis Briquet, je peux vous donner ses coordonnées. Et à ce moment-là seulement, j'ai dit, mais en fait, ce sont les gens qui nous ont sauvé la vie, et je n'ai jamais pensé à les chercher pour les remercier. Et je me suis sentie toute pitoyable, mais c'est pour expliquer ce processus que je contacte Alexis Briquet. Il vit dans le sud de la France avec son épouse. Et on commence à parler. Il me dit, je vais répondre à toutes vos questions. Je lui dis merci d'abord. On prend rendez-vous après pour se dire après le Covid, on se verra, mais déjà par téléphone. Il a eu un cancer fulgurant, il est mort en 2 mois. Décembre l'année dernière. Donc, voilà. Et donc on se parle, il me dit je dois faire un scanner, j'ai des problèmes de santé, mais je ne vous oublie pas. N'allez pas penser que je suis ce que je ne suis pas, mais je dois me soigner. Je dis, vous soignez-vous. Il ne me dit pas la gravité. Et c'est sa femme, Diana Briquet, qui était avec lui. En fait, ils sont venus à 2 humanitaires et 2 journalistes italiens. C'est eux qui ont sauvé des centaines d'enfants. Ce qui m'a fait penser aussi en creux, si 4 personnes
deux humanitaires suisses, deux journalistes italiens, ont réussi, avec trois bouts de ficelle, à sauver des centaines d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prenait ça. Et ça n'a pas été fait par les autres. Donc, elle me dit, voilà, Alexis, il est à l'hôpital, il m'a dit de vous appeler. C'était des gens... Personne n'est jamais allé les voir. Le Rwanda ne les connaît pas. Ils avaient été aidés par le consul d'Italie, qui s'appelait Costa, qui lui a eu, je pense, une cérémonie de reconnaissance, qui est décédé un mois après Alexis, deux semaines après Alexis. Enfin, ça a été. Mais personne, même les gens de leur entourage, ne savaient pas ce qu'ils avaient fait. Et alors, je me dis, Alexis est en train de mourir. Donc j'ai commencé à contacter plein de gens en disant, vous savez, le monsieur qui nous a sauvés, il est en train de mourir. Et c'est très compliqué ce qu'on disait. Enfin, comment on peut dire aux gens, j'étais dans une situation très inconfortable d'aller voir les gens en leur disant, enfin les autres enfants, quoi, les peu que j'avais retrouvés, est-ce que vous voulez dire merci? C'est parce que parfois dans leur vie, c'était pas possible, c'était pas là, ils sont encore en train de pleurer les leurs. Mais il y a eu de très très beaux messages qui ont été envoyés du Texas, de l'Ontario, d'Ottawa, du Rwanda, de France, de Belgique, des messages audio, des messages écrits pour dire à Alexis, nous sommes les enfants des convois. Et nous vous disons merci. Et vous êtes en train de mourir. Pardon. C'est la première fois que j'en parle, comme ça. Et donc, je suis en contact avec Diana Briquet et Mauro aussi, qui était un photographe, qui m'a dit qu'il avait un carton plein de photos dans la cave de ses parents. Et Diana m'a écrit il y a 3 jours, enfin, il y a le 17 juin, en me disant on va venir à Bordeaux, on va t'apporter ça. Et cette histoire, c'est votre histoire. C'est important que vous ayez ces documents, qui soient vous. Voilà. Et je pense que c'est cette chose aussi de se dire que toutes les traces de nos survies, de notre histoire, finalement, sont dans des archives interdites d'accès en France, dans des musées en Belgique, dans des cartons en Suisse ou en Italie. Et que notre temporalité de survivant ne nous permettra peut-être pas d'aller les chercher et d'y mettre un sens, qu'on a perdu toutes les photos souvent des nôtres. Enfin, dans le génocide, c'était ça, quoi. Et que vous pouvez tous nous aider quelque part à avoir ces traces, mais c'est aussi ces traces de bonté. J'ai envie que les gens connaissent les noms de ces gens-là. Merci Beata, tu nous laisses en voix. C'est la première fois que je t'entends parler de ça. On se connaît un tout petit peu quand même. Mais ça, quand tu as commencé à parler, j'ai pensé Kinder Transport, c'est Balt. Tu en as parlé après, les Kinder Transport. Mais tu parles aussi de la temporalité. Tu dis, mais il a fallu du temps, même ces photos
bon, je les ai cherchées, je les ai mises de côté, j'ai retrouvé le creux où on était, mais enfin, je n'ai pas pensé. Et quand tu dis, vous aider, mais je suis sûre, tu dis, il est peut-être trop tard. Non, parce que pour les justes, ça a mis beaucoup de temps aussi, et quelquefois, ceux qui ont reçu la médaille symbolique, c'est leurs enfants. Ce n'est pas, pas eux-mêmes ou leurs petits-enfants. Ce n'est pas eux-mêmes, et il y a eu des rencontres entre des survivants. Nous, on a une vieille amie qui a une histoire extraordinaire, parce que c'est le spécialiste mondial de la musique des Pygmées, Simcha Arom, qui a maintenant 90 et quelques, qui était un petit juif polono-allemand sauvé en France, caché, et il a rencontré la fille des gens qui avaient caché ses parents, et bon, ses parents sont partis. Et on a fait un film sur lui, il est retourné là-bas, elle dit qu'elle se souvenait du petit gosse, elle est allée à bicyclette prévenir. C'est vous le petit gosse ? Le petit gosse, il avait... Il y avait une rencontre très, très importante. Les parents, il ne les a pas vus, ils étaient morts, mais ce travail, il se fait par les enfants et les petits-enfants d'eux aussi. Juste, j'ai un truc que je voulais vous dire aussi sur ces histoires d'ambiguïté, en faisant mes recherches autour de ces convois, pardon. Mais donc il y avait un accord avec le gouvernement, et au nom de cet accord, le préfet Savima Anna, qui était le préfet par intérim après qu'ils aient tué le préfet Tutsi, accompagnait les convois. Et j'ai retrouvé, j'avais envie de vous partager ça parce que ça dit quelque chose. J'ai retrouvé, quelque chose de transcrit pour le tribunal pénal international d'Arusha. Donc ce monsieur a été jugé et c'était, je crois, une transcription d'une interview qui a été faite par le journaliste de la BBC. Et j'ai lu ça, je me suis dit, c'est un Eichmann, mais du bien malgré lui. Un truc très, très... On lui demande pourquoi vous faites ça. Le journaliste lui demande Sylvain Savima Anna. Et il dit, aider les enfants, c'est dans mon travail. Je suis obligée. Je suis une autorité. Je dois agir en tant qu'autorité, en tant que quelqu'un qui répond aux ordres donnés en haut et que j'ai reçu les ordres d'en haut, donc je les exécute. Donc moi, je ne peux pas vouloir les aider ou pas les aider parce que non, je suis obligée. C'est un convoi dans le cadre d'un accord signé entre le gouvernement et Terre des Hommes et donc je fais parce que je suis obligée. Oui, sauf que quand il s'est retrouvé à Arusha, il a dit « J'ai sauvé des enfants ». Voilà, je voulais juste... parce que c'est ça. Mais voilà, nous, on va chercher les traces, on va chercher ces choses-là, on va les chercher au tribunal pénal international. Alors, il y a un site qui est très, très bien qui s'appelle « France Génocide Tutsi ». Tout, il y a beaucoup... Je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Morel, qui doit être de survie. Il y a tout là-dessus. Moi, j'ai trouvé plein de choses là-dessus. Et c'est précieux quand on essaye de reconstituer un peu le puzzle de ça. Merci beaucoup, Beata, parce que dans ce que tu dis aussi, quand tu parles de cette temporalité, voilà, ça rejoint un peu à ce à quoi on s'est attelé cet après-midi avec le livre de Jean Asfeld. Et ça me fait penser aussi à tes écrits, mais particulièrement à ton dernier livre, « Tous tes enfants disparus ». Dispersés, pardon. Et là où ça a sauté, ça me faisait penser à la maman de Blanche, et qui perd la voix. Et cette temporalité vient parler aussi de tout cela, de comment aussi on est préoccupé à se construire. Et qu'à un moment donné, ça a été le temps pour toi d'aller voir et de comprendre comment ils ont fait et de trouver ces gens, de les remercier. Mais aussi, tu as dit quelque chose de très important, de faire un récit de ton histoire. Et il me semble que vraiment c'est très très important pour ça d'accepter qu'on a un temps et que par contre le travail peut-être d'historiciser, de mettre un récit, d'écrire si on peut
est un travail très important. Merci beaucoup à toi. Des questions. Vous avez eu beaucoup de patience. En même temps, c'était fascinant. Il y a des gens qui veulent. Je prends la parole pour deux ou trois choses. Je voudrais d'abord remercier le Mémorial de la Shoah pour encore nous accueillir. Je suis président d'Ibuka France, qui co-organise donc cette rencontre. Et, dans cette maison dans laquelle nous avons fini par nous sentir chez nous, et dans laquelle cette parole... Je pense que le mot qui a été répété, c'est seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. Je le dis, Walwalirae. Mais pour que cette personne puisse raconter cette nuit qu'elle a traversée, il y a des personnes, il y a des institutions, il y a de l'écoute, comme Amélie et Régine savent bien le faire. Il y a des personnes qui traversent des collines et des montagnes comme Jean Asfeld pour recueillir ces récits, c'est très important. Je voulais donc remercier beaucoup Annie pour avoir eu le courage de, pour la première fois, raconter son histoire. Il ne faut jamais dire que c'est tard parce que chaque personne, chaque rescapé a son moment pour venir parler. Il y a des personnes qui viendront bien après toi et donc... Ne t'inquiète pas, c'est bien normal. Dans la thématique d'aujourd'hui, concernant les justes, et, ou je ne sais pas comment on peut les appeler dans l'histoire du Rwanda, parce qu'il faut se méfier de ce parallélisme assez rapide avec ce que Yad Vashem a fait. Mais au Rwanda, il y a autre chose aussi, c'est que les justes, les personnes qui ont été courageuses, la plupart aussi ne demandent pas cette reconnaissance. Et s'en méfie ou trouve que ça peut être dangereux pour elle. Donc, il ne faut jamais oublier de sous-estimer le fait que ces personnes, leur seule existence est un reproche vivant face aux autres qui n'ont pas pu avoir ce courage. Et comme, vous le savez, ils vivent toujours sur la même colline. Je sais d'expérience qu'une personne qui nous a beaucoup aidés, pour aller la voir, pour dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour nous, dit bah, non, mais moi j'ai fait ce que je devais faire, ne faites surtout rien. Sinon, c'est de reconnaître que ce que j'ai fait était anormal, alors que ce sont les autres qui ont fait des choses anormales. Moi, je suis resté dans ma normalité, pour le dire juste comme ça. En tout cas, merci beaucoup aux intervenants, aux invités, à Glorieuse, Beata, et félicité. Merci pour vos interventions et la parole de témoignage est une parole particulière. Chaque fois que vous le faites, c'est que même si ça n'avait pas été enregistré, Dieu merci, ça l'a été. C'est comme si vous écriviez un autre chapitre de vos livres et ça va rester, c'est très important pour encourager les autres à faire de même. Je vous remercie encore. Bonjour, alors je me présente, certains d'entre vous me connaissez, donc je suis Franck Amali, un rescapé du génocide. Et je me permets juste d'intervenir sur le point qui me paraît super important, c'est cette notion de temporalité, qui effectivement dépend de chacun d'entre nous qui avons vécu tout ce qu'on a pu vivre, mais qui, enfin, il y a un levier d'action sur ça, parce que moi, du coup, je peux me permettre d'en parler, parce que je le vois tous les jours. C'est l'acceptation aussi de l'ensemble de tout notre entourage et de vous tous, en fait, de notre histoire. Et nous, ça nous permet de l'accepter et puis d'avancer. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous allez continuer à faire.
Si je voulais juste quand même ajouter un petit truc, je m'excuse. Seulement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la famille qui m'hébergeait pendant les 4 ans, donc de 90 à 94, ont été tués. Papa, maman et les deux cousines qui vivaient avec eux. Bah, du coup, moi qui est partie, et c'est moi qui a pu être sauvée. Tout simplement ça. Bien, merci Étienne, vous venez de le dire. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Et la rencontre est enregistrée, elle peut être revue sur notre site internet et également sur la page Facebook du mémorial. Je dis ça parce qu'il y avait un souci de retransmission au tout début de la rencontre. Donc merci à tous pour ces moments importants partagés ensemble autour de cette question des gestes d'humanité. Merci beaucoup. Merci. Thank you.